Bonsoir, bonsoir à chacune, bonsoir à chacun. Bienvenue sur ce talk de la FNH, ce premier talk du think tank de la FNH. Cette émission est retransmise ce soir en live sur Twitter, sur Facebook. Vous avez la possibilité de laisser des commentaires. Ils sont les bienvenus. Vous verrez, notre temps est un peu compté. On a beaucoup de choses à dire et à échanger. Les débats seront riches et vifs, peut-être parfois, mais toujours constructifs. Je vais vous présenter nos participants, nos invités dans quelques instants. Juste auparavant, m'assurer que la réception est bonne de votre côté et planter le décor avec ce mot en trois lettres, la PAC, la politique agricole commune, cette politique qui nous regroupe tous en Europe autour de plusieurs causes, la cause des agriculteurs, la cause environnementale également. Comment faire en sorte que ces deux causes, que des agriculteurs vivent décemment de leur travail, d'une part, et que tout ceci se fasse dans le respect et en harmonie avec l'environnement, d'autre part, comment faire du et plutôt que de faire du ou et d'opposer? C'est ça la question qui est posée ce soir. On parlera également de mesures miroirs, on vous expliquera de quoi il s'agit. On aura trois temps dans cette discussion ce soir, cet échange. Un premier temps d'introduction avec Nicolas Hulot qui nous plantera le décor avec les invités. Puis un temps de discussion avec le ministre de l'Agriculture, pardon, et de l'Alimentation, Julien de Normandie, sur la transition agroécologique. Un autre temps avec Clément Beaune sur la présidence française de l'Union européenne. Et puis enfin un échange avec Chantal Joanneau, notamment de la Commission nationale du débat public, sur cette question du dialogue citoyen et de l'agriculture et de l'environnement. Voilà, alors j'accueille tout de suite à l'écran, s'ils sont là, Nicolas Hulot, président d'honneur de la FNH, Mathilde Dupré, codirectrice de l'Institut Veblen, et Bruno Dufayet, président de la Fédération nationale bovine. Merci. À tous les trois, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que techniquement tout est bon pour vous? Le son, l'image, ça va? Je vous entends parfaitement, Walter. OK. Alors, bonsoir Nicolas, bonsoir Bruno. Comment peut-on justement planter le décor autour de cette idée tout simplement de discuter, d'arrêter d'opposer les sujets, d'essayer de faire du ensemble? C'est ça un peu l'idée ce soir, Nicolas? Oui, je vais répondre tout de suite. Juste quand même saluer la présence simultanée de Julien de Normandie et de Clément Beaune. Saluer également avec beaucoup de plaisir la présence de Chantal Joanneau et de l'ensemble des panélistes. Je crois que c'est un préalable. On a une réalité à étreindre qui est complexe. Un contexte mondial écologique vient de nous rappeler avec. Je dirais sans beaucoup de nuances les quelques échantillons du rapport du GIEC qui ont fuité la semaine dernière. Je crois que chacun peut comprendre que ça ne se fera pas dans la confrontation, dans l'agressivité, et qu'il est plus qu'urgent, à un moment ou à un autre, de sortir justement de ces postures un peu stériles, d'un côté l'agri-bashing, de l'autre côté l'écolo-bashing. Et tout ça crée une espèce de propension pour finir qui consiste à fuir la réalité, alors que nous avons un contexte, un impératif qui crée une exigence. C'est l'ADN de la Fondation, et cet ADN, on le cultivera de plus en plus dans tous les domaines, parce que si on veut opérer la mue d'un système périmé, ça se fera dans l'acquiescement, ça se fera dans le consentement, mais ça se fera pas dans l'agressivité. Discuter avec Interbev, comme on l'a fait, ça coule de source. Ça coule de source d'abord parce que sur un certain nombre de sujets, nous sommes en phase. Sur d'autres, sur des modalités, il y a probablement des discussions à opérer. Mais surtout, nous avons un intérêt commun. Et malheureusement, les séquences régulières et récentes que nous avons subies en France d'aléas climatiques, probablement dues aux premières manifestations des changements climatiques, montrent que le modèle agricole sera aux premières loges dans les conséquences et que nos agricultrices et nos agriculteurs seront les premières victimes. Alors, vous savez, dans la Fondation, évidemment, on s'intéresse comme tout un chacun à ce qu'il faut faire, mais plus que tout, on s'intéresse au comment faire.
Et je crois que ça, c'est très important parce que dans la transition écologique, qui est une transition qui, à terme, doit être assez radicale, parce qu'on ne sortira pas de cette équation simplement avec un peu de cosmétique, mais en même temps, il faut évidemment une méthode, une stratégie et une certaine progressivité. Mais dans les principes, il y a aussi un principe qui est important si on veut que les acteurs soient volontaires, créatifs, c'est un critère de cohérence. Et le premier sujet avec lequel nous travaillons maintenant depuis plusieurs années, avec notamment la filière des éleveurs, c'est le sujet des clauses miroirs, c'est-à-dire de ce constat qu'on inflige à nos agricultrices et agriculteurs une double peine. On leur demande des efforts importants pour changer leur modèle, pour essayer évidemment de réduire leur impact environnemental, pour essayer tout simplement d'opérer un basculement. Ils ont été parfois, je le dis sans aucune acrimonie, du côté du problème, et ils peuvent demain, si tant est qu'on les rémunère pour ça, être du côté de la solution. Mais si on veut évidemment que leur volonté ne se tarissent pas, il ne faut pas les mettre dans une situation d'incohérence. Et l'incohérence, c'est que dans cette propension que nous avons à signer un certain nombre de traités que l'on appelle des traités de libre-échange, eh bien ces traités permettent dans la communauté européenne d'importer des denrées ou des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes exigences que l'on demande à nos agricultrices et agriculteurs. Donc chacun peut comprendre que cette incohérence, évidemment, ne crée pas un contexte psychologique favorable à l'effort du monde agricole. Donc voilà, le premier sujet sur lequel, évidemment, compte tenu que la France va prendre la présidence de l'Union européenne dans un délai assez court, alors on parlera probablement dans une partie du contexte évidemment global aussi, qui est le moment de la révision de la politique agricole commune, mais nous avons voilà un impératif, il faut additionner nos volontés, additionner nos intelligences, mettre une méthode. Et surtout, au-delà de la fin, il y a une obligation de moyens, parce que, et on aura probablement dans nos échanges l'occasion d'en parler, encore une fois, si on veut opérer cette transformation, il faut changer d'échelle dans les moyens et accompagner sur la durée nos agricultrices et nos agriculteurs. Voilà ce que je voulais dire sur ce premier échange et la raison d'être de ce dialogue que nous avons avec Interbrew. Très bien, merci Nicolas. Je vais peut-être faire un peu de provoque, mais Bruno Dufayet, vous êtes président de la Fédération nationale bovine. C'est peut-être pas là, dans une coopération avec la FNH, qu'on vous aurait attendu spontanément. Et tant mieux si justement cet effort de discussion est là. Mais dites-nous quelques mots sur la manière dont ce rapprochement, enfin cette coopération, est née. Et comment vous situez par rapport au sujet qu'on pose ce soir? Oui, donc déjà saluer l'ensemble des participants et tous les gens qui nous regardent aujourd'hui. Effectivement, ça fait aujourd'hui quasiment 8 ans hein, qu'on travaille avec des ONG environnementales, dont la Fondation Nicolas Hulot. On s'est très vite rendu compte que, c'est ce que vient de dire Nicolas Hulot, rester dans une opposition, rester dans l'agressivité, n'allait pas générer de progrès, y compris pour nous, pour notre filière. Et très vite, on a eu cette envie d'aller au-devant des ONG. Et en fait, moi, je le dis un petit peu comme ça, mais notre objectif, c'était, en fait, il fallait sortir de ces réactions qu'on a, qui sont des fois quasi même allergiques. Hein, c'est-à-dire, quand on est éleveur, parler écologie, ça crée des drôles de réactions. J'ai le sentiment aussi que des fois, quand on parlait production, ça pouvait aussi, côté écologiste, créer des mauvaises réactions. Et très vite, l'objectif, c'était de sortir de ça. Et donc, on a fait tout un travail de concertation ensemble, en allant sur le terrain, en partageant déjà notre vision de l'élevage, en regardant quels étaient nos points de consensus. Et Nicolas Hulot l'a dit, il y a énormément de points de consensus, et quels étaient les points de dissensus, pour que très vite, ces points de dissensus, en fait, deviennent des pistes de travail. Et c'est ça la philosophie de nos échanges. Et pour le coup, maintenant, avec du recul, je reste convaincu que c'est bien la bonne solution. C'est-à-dire qu'on doit sortir de cette opposition systématique entre agriculture et écologie. Il y a un vrai lien. De toute façon, on le voit, ça a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, la crise climatique, eh ben, l'agriculture en est souvent la première victime. Et il y a une vraie prise de conscience du monde de l'élevage sur ce sujet-là. Et donc, pour être constructif et pour imaginer l'élevage de demain, ben rien de mieux que d'échanger justement avec le monde de l'écologie et de continuer ce travail comme on le fait ce soir.
Très bien, merci Bono Dufayet. On va poursuivre ces échanges. Je vais me tourner vers Mathilde Dupré qui co-dirige donc l'Institut Veblen. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de présentation déjà de l'Institut Veblen? Alors bonsoir à toutes et tous. On est un think tank qui travaille sur les réformes économiques dont on a besoin pour la transition écologique et sur les questions commerciales. On travaille depuis de nombreuses années maintenant avec la FNH et avec la Fédération nationale bovine également. Et vous avez à ce sujet commis avec la FNH un rapport sur le thème de la mondialisation et d'un terme qu'on entend depuis tout à l'heure, mesure miroir. Est-ce que déjà vous pouvez expliquer aux béotiens que je suis, et je pense ne pas être le seul, ce qu'est une mesure miroir? Nicolas l'a un peu évoqué tout à l'heure, et les conclusions auxquelles vous arrivez sur ce sujet? Bien sûr. Alors, en fait, en travaillant ensemble sur les négociations commerciales avec les États-Unis, le Canada, les pays du Mercosur, il nous a semblé qu'il y avait un sujet majeur dont on parlait finalement jamais, une forme d'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais. Et il s'agit de ces divergences réglementaires, c'est-à-dire des règles sanitaires, des règles environnementales qui ne sont pas les mêmes pour les produits fabriqués sur le sol européen et pour les produits étrangers importés, et sur lesquels, en fait, les accords de commerce sont silencieux, alors même qu'ils encouragent les échanges. Cette problématique, elle avait déjà été mise en avant par les experts qui avaient été mandatés par le gouvernement pour analyser les risques liés au CETA. Et ça peut sembler de prime abord assez technique, mais en fait, on parle du respect des préférences collectives des consommateurs européens et des règles qui ont été démocratiquement élaborées dans l'Union européenne. Donc, par exemple, l'utilisation dans l'élevage de farines animales ou d'antibiotiques comme activateurs de croissance, ce sont des pratiques qui sont interdites dans l'Union européenne et qui sont tolérées pour les denrées qui sont importées dans l'Union européenne. De la même façon, on a des denrées agricoles qui peuvent être traitées avec des pesticides interdits dans l'Union européenne pour des raisons de santé ou d'environnement. Et donc, au début, quand on a commencé à mettre ce sujet sur la table, je dois avouer qu'on a été assez fraîchement reçu par les spécialistes des négociations commerciales, parce que on nous a dit en fait que changer les règles dans le domaine, ce serait faire du protectionnisme ou ce serait prendre le risque de fâcher nos partenaires commerciaux. Mais ces arguments nous semblent assez peu justifiables du point de vue des consommateurs européens qui ne comprennent même pas en fait pourquoi l'Union européenne ne s'est pas dotée de règles équivalentes pour les produits européens et pour les produits importés. Et donc il faut sortir par le haut de cette impasse, et c'est pourquoi le rapport propose la mise en œuvre de mesures miroir, c'est-à-dire un règlement européen pour faire en sorte que toutes les règles qui s'appliquent pour les produits importés soient équivalentes à celles qu'on impose à nos producteurs européens. Et ça doit permettre de s'assurer que la santé et l'environnement sont protégés, quelle que soit l'origine des denrées que nous consommons. Et donc, par ailleurs, pour être compatible avec l'OMC, il faut absolument que ces mesures miroirs soient accompagnées de mesures aussi pour mettre fin à toutes les dérogations qui existent dans l'Union européenne, parce que le droit européen est un vrai gruyère en la matière, puisque justement il y a ces distorsions de concurrence. On a autorisé les États membres parfois à adopter des dérogations, ça a encore été le cas récemment en France avec les néonicotinoïdes. Donc il faut mettre fin à ces dérogations, mettre tout le monde sur exactement les mêmes règles du jeu. Et pour finir, ce que je voulais dire, c'est que si cette mesure de mesure miroir est indispensable, sa mise en place n'est pas non plus une fin en soi, c'est-à-dire qu'elle est en réalité une condition sine qua non pour pouvoir continuer à rehausser les standards européens, parce qu'on va avoir besoin de continuer nos efforts pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés collectivement. Je pense notamment à l'objectif de réduction de 50% des pesticides d'ici 2030. Oui, on en parlera. Ça va demander des efforts, et pour ça, il faudra des mesures d'accompagnement, notamment dans le cadre de la PAC, et on en parlera, j'en suis sûre, dans ce débat. C'est tout à fait prévu. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je précise pour les participants que dans le canal de chat, vous avez un lien vers le rapport auquel on faisait référence à l'instant. Et là, je voudrais parler d'un autre rapport publié également à l'initiative de la Fondation, Nicolas, dont le sujet cette fois est les pesticides. Donc, c'est un rapport sur lequel il y a déjà eu des discussions il y a quelques semaines. Est-ce que, Nicolas, vous pouvez nous en redire deux mots et replacer ça dans le contexte de la discussion de ce soir? Oui, parce que ça vient d'être dit,
c'est très important de mettre en place ces clauses miroirs et de s'en servir d'ailleurs comme un levier, non pas pour faire du protectionnisme, mais pour essayer d'élever les standards internationaux et de cette manière, évidemment, utiliser le commerce pour harmoniser vers le haut les standards. C'est important, c'est essentiel, encore une fois, si on veut éviter cette distorsion. Mais ce n'est évidemment pas suffisant. Au moment où on va avoir la révision de la politique agricole commune, c'est énormément d'argent, chacun le sait, c'est le premier budget européen. Si on peut faire en sorte que chaque euro de la politique agricole commune soit plutôt fléché vers le nouveau modèle que l'ancien modèle, je pense qu'en quelques années, sans affecter nos acteurs agricoles, on peut changer profondément le modèle. Ce que le rapport a voulu mettre en évidence, et c'est vrai, j'en profite parce que je sais que Julien de Normandie nous écoute, et j'avais vu à l'époque la réaction du ministère de l'Agriculture, elle m'avait un petit peu attristé parce que l'idée n'est pas d'entraver l'action publique, l'idée est collectivement d'essayer de pointer les choses qui fonctionnent et les choses qui ne fonctionnent pas. J'entends bien que chaque gouvernement fait plus que le précédent, mais compte tenu de la gravité de la situation, je pense que tous, on a à cœur d'avoir une grande exigence, parce que l'idée n'est pas d'en faire plus, l'idée est d'en faire suffisamment, à la fois pour essayer de gagner quelques degrés dans le réchauffement climatique, et d'en faire suffisamment pour concilier l'enjeu écologique, l'enjeu environnemental et l'enjeu social. Ce que montrait notre rapport, c'est qu'en dépit de sommes conséquentes et importantes, notamment pour réduire les pesticides, ben pour finir, on ne les avait pas réduits. Et non, ce que montrait le rapport, c'est que sur les 23,2 milliards par an que l'on consacre, qu'on distribue aux acteurs agricoles et alimentaires, il y avait seulement 1% de cet argent qui avait un effet sur la réduction des pesticides. Donc, ce n'était pas une dénonciation, c'était une constatation qui permettait de corriger le tir. Voilà, c'est simplement ce que l'on a voulu montrer. Ça a été rappelé, pas simplement par la FNH. Alors, d'ailleurs, il y a eu une confrontation sur les indicateurs de référence à ce moment-là. Il y a une espèce de polémique que j'ai trouvée, un peu stérile, parce qu'il y avait un indicateur sur lequel tout le monde s'était mis d'accord à l'époque, sur le nodule. D'ailleurs, nous avions pris quelques-unes de nos références sur le site du ministère de l'Agriculture, mais peu importe. En tout cas, ce que montrait ce rapport, c'est que voilà, l'argent n'était pas affecté là où il fallait l'affecter pour réaliser les objectifs, et ça expliquait le gap entre des intentions et la réalisation de ces intentions. Alors, je rappelle quand même qu'on n'est pas les seuls à faire ce constat. La Cour des comptes européenne, elle a indiqué dans le rapport qu'elle a publié le 21 juin dernier, alors que plus de 100 milliards d'euros ont été alloués entre 2014 et 2020 à la lutte contre le changement climatique, qui représente à peu près un quart de l'ensemble des dépenses agricoles de l'Union européenne. Malheureusement, les émissions de gaz à effet de serre d'origine du secteur agricole n'ont pas baissé depuis 2010. Et pire encore, si on regarde un peu dans le détail, on trouvera un certain nombre de mesures qui sont climaticides dans les aides de la politique agricole commune. Et puis, dernièrement, ce n'est pas pour enfoncer le clou, mais en tout cas pour partager le constat et pour aller de l'avant après, le Haut Conseil pour le climat a rappelé dans son dernier rapport que, alors que la politique agricole commune est très encadrée, le secteur agricole enregistre de faibles réductions d'émissions. Voilà, qui traduisent peut-être et qui mettent en évidence la prise en compte un peu marginale des objectifs climatiques. Voilà. Et puis, sur la déclinaison française de la future politique agricole commune 2023-2027 qui a été présentée par le ministre le 21 mai dernier, bon, très sincèrement, nous, on est un petit peu déçus parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur, on ne dit pas que rien n'est fait, mais on a le sentiment qu'on utilise un peu des outils du passé pour aborder une situation qui, évidemment, n'a plus rien à voir avec les contraintes et les impératifs d'autrefois, alors que la science nous le rappelle, tous les choix, et notamment dans le domaine agricole, que nous allons faire dans les prochaines années sont déterminants dans l'ampleur de la crise écologique, de la crise climatique. Et j'en termine, c'est d'autant plus malheureux que jamais, me semble-t-il, il n'y a eu un contexte aussi favorable pour changer de manière apaisée le modèle agricole. D'abord, il y a une demande sociétale de produits de qualité et de proximité. Deuxièmement, on peut diversifier le revenu des agriculteurs parce qu'ils peuvent basculer du côté de la solution. Il faut les rémunérer pour produire de l'énergie renouvelable, pour stocker du CO2, pour restaurer la biodiversité.
Il y a donc ce contexte. Et l'argent est là, mais il ne faut pas simplement le flécher, il faut le faire basculer, encore une fois, dans cette conversion et le basculer durablement. Et je parle notamment des aides au maintien de l'agriculture biologique. On sait bien d'expérience que pour qu'un agriculteur biologique qui vient de se convertir, il lui faut au minimum 3 ou 4 ans. Puis dernière chose, à garder à l'esprit, dernière chose à garder à l'esprit, dans les 6 ans, 45% de nos agricultrices et nos agriculteurs seront en âge de partir à la retraite. Faisons en sorte que cette génération, évidemment, soit les pionniers de ce nouveau modèle. Ok, merci beaucoup. Leur tourne, on va passer à la table ronde. Proprement dite. Et donc, je vais demander à Bruno Dufayet de rester avec nous. Je remercie Nicolas Hulot, je remercie Mathilde Dupré pour vos éclairages et introductions. Et on va demander au ministre Julien de Normandie et Clément Beaune de nous rejoindre également tout de suite. Voilà. Est-ce que pour cette première partie du débat. Donc, on aura deux parties, hein, deux séquences de 25 minutes environ. Donc, le temps va être assez serré et vous ne m'en voudrez pas. J'essaierai de faire respecter ce temps tout en évidemment laissant la parole à chacun. On va commencer par écouter M. le ministre Julien de Normandie. Est-ce que vous êtes bien avec nous? Est-ce que vous nous entendez correctement? Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Bonsoir, Monsieur le ministre. Vous êtes... Je salue au passage avec Clément Beaune, à qui on passera la parole dans un second temps, dans la deuxième séquence, qui est secrétaire d'État aux Affaires européennes. Monsieur le ministre, bon, le décor a été planté, j'imagine que vous bouillez d'impatience de répondre, et c'est bien normal. Est-ce qu'on peut commencer, parce que je me souviens d'une intervention que vous avez faite au Sénat, dans laquelle vous mettiez fortement l'accent sur les mesures miroirs et disiez votre espoir et votre soutien à cet axe-là. Et puis ensuite, dans la discussion, on reviendra sur les autres sujets, évidemment. Écoutez, avec grand plaisir. D'abord, je salue tout le monde et notamment Nicolas, Bruno, qui viennent de prendre la parole, ainsi que Mathilde. Moi, d'abord, je voudrais vous remercier, parce que je pense que le sujet qu'on aborde ce soir est un sujet incroyablement essentiel. Et vraiment, je voudrais commencer par dire cela. On est tous d'accord et on a un point de consensus total sur ce sujet des clauses miroirs. Et je crois que c'est très important, ce sujet des clauses miroirs, pour plusieurs raisons, et je voudrais vraiment très rapidement vous exposer la pensée qui est la mienne là-dessus. D'abord, quand on parle de clauses miroirs, et Mathilde l'a détaillé ce que c'était que les clauses miroirs, on est vraiment en lien avec ce qui fait le fondement des politiques européennes, c'est-à-dire la protection des consommateurs. Comment aujourd'hui vous expliquez à un consommateur qu'il peut encore avoir dans les cantines, et notamment quand c'est nos enfants, un poulet ou un bœuf qui a été nourri avec des antibiotiques de croissance? C'est aberrant, aberrant, mais au sens même de ce qui fait le principe fondateur de la politique agricole commune, c'est-à-dire 1958 et le traité de Rome. Ensuite, parce qu'il y a une sorte d'hypocrisie aujourd'hui dans cette politique-là. C'est-à-dire que la politique environnementale, elle est fondée au niveau européen sur un certain nombre de principes, et j'y reviendrai, au fur et à mesure des traités internationaux, on a créé une Europe, par exemple, qui est totalement dépendante des protéines sud-américaines. Aujourd'hui, nos élevages, ils sont nourris avec des protéines du soja brésilien, qui est autant de biodiversité dégradée, autant de déforestation importée. Enfin, parce que si on ne met pas en place ces clauses miroirs, en fait, c'est notre propre modèle agricole qui est mis en cause. Et on a un modèle agricole qui est très différent en France et en Europe, modulo quelques pays, mais qui est très différent de ce qu'on peut voir à travers le monde. On parle par exemple beaucoup de la taille des élevages. C'est un vrai débat aujourd'hui, ou de la taille des exploitations. Mais c'est un chiffre que je donne souvent. La taille moyenne, d'un élevage de truies dans notre pays, c'est 170 truies. C'est 10 000 aux États-Unis. C'est des immeubles de 15 étages, en Chine. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on est face à un sujet
qui est à la fois une question de protection du consommateur, une question de sortir d'une hypocrisie sur l'organisation du commerce mondial depuis 50 ans, par exemple, sur les protéines, et qui est une question vraiment de protection de notre modèle. Et ça, pour vous, les clauses miroirs, ça va vraiment y aider ? Oui, et justement, pourquoi ? Parce que à la fin, et Nicolas l'a très bien dit, à la fin, ce n'est pas une question de solutions technologiques, en vrai, dans notre secteur. C'est une question principalement d'équation économique. Cette équation économique, aujourd'hui, elle est mise à mal parce que quand vous êtes dans un supermarché et que vous avez deux pièces de viande mais qui n'ont pas été élevées de la même manière ou deux concombres mais qui n'ont pas été produits de la même manière, et que vous en avez un qui est beaucoup moins cher que l'autre, mais qui a été produit avec des choses qui ne sont pas acceptées dans notre propre pays ou au niveau européen, la conséquence de ça, c'est quoi ? C'est que vous avez une augmentation très forte ces dernières années des produits d'importation. Et ces produits d'importation, c'est autant de biodiversité dégradée ou de déforestation que vous importez. Et donc, la question fondamentale, c'est que ces clauses miroirs, pour moi, elles sont nécessaires parce que, et on l'a vu dans le débat de la politique agricole commune actuelle, certains, et j'entends, disent « ça ne va pas assez vite, il faudrait aller encore plus vite, etc. » Moi, je suis convaincu que l'une des solutions, pas la seule, parce qu'il y a d'abord une volonté politique, mais que l'une des solutions pour accélérer les transitions au sein de l'Europe, c'est la mise en place de ces clauses miroirs. Plus vite on arrivera à mettre en place des clauses miroirs, plus vite on arrivera à avoir une concurrence loyale sur les marchés, plus vite on arrivera à faire des transitions encore supérieures à celles que nous avons aujourd'hui. À n'en pas douter, parce qu'il n'y a rien qui décourage plus un agriculteur, un éleveur, que de se voir imposer un certain nombre de normes ou de transitions, alors que quand il va faire ses courses, comme tout le monde, il se rend compte qu'à côté de son produit, il y a exactement le même produit physiquement, mais qui est produit avec des choses que lui, on lui dit « c'est pas possible » et on lui interdit, et ce produit-là, il est vendu parfois 30% moins cher. Et donc, on est dans un système qui est aujourd'hui, et pour moi, l'une des clés de voûte d'une accélération des transitions, et je crois que c'est très important de le dire ainsi. Après, la question, et c'est ça qui nous réunit, c'est comment on fait. Moi, je pense qu'on est tous convaincus sur la nécessité. La question, c'est de dire comment on fait. Bon. Monsieur le ministre, sur le pourquoi, là, vous plantez le décor, et je pense qu'effectivement, vous posez ce consensus qui apparaît très clairement là, d'un moment d'introduction autour de Nicolas Hulot et à vous. Sur la question du comment, je vous laisse encore un mot si vous voulez. Et après, j'aimerais qu'on entende, et pardon parce que je n'ai pas présenté Amandine Le Breton, qui est directrice du plaidoyer et de la prospective à la FNH, et qui est agronome également de métier, qui va intervenir et qui pourra prendre la parole juste après vous. Mais je vous laisse la parole sur ce dernier point. Sur le comment, pour moi, il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord une volonté politique qui est affichée. Par exemple, quand la France, quand le président de la République, il dit non au Mercosur, c'est parce que le Mercosur, c'est de la déforestation importée. Il y a ensuite une question, et j'ai une petite... j'irai même plus loin que ce que dit Nicolas Hulot. Pour moi, le sujet, ce n'est pas les accords de libre-échange. Pour moi, peu importe le niveau du droit de douane. L'accord de libre-échange ne vient, le cas échéant, que accélérer. Mais même si vous avez un droit de douane de 10-15%, le fait même d'avoir un produit qui ne serait pas pour lequel il ne serait pas possible de le produire dans notre propre pays, pose question. Donc, ça dépasse pour moi le sujet accord de libre-échange. Et le troisième élément, c'est qu'on sait qu'on a un débat juridique, et ce débat juridique, on l'a aujourd'hui au niveau européen. Je vous donne un exemple, parce que moi, je l'ai vécu pendant des nuits durantes ces derniers jours. Au moment de la finalisation de la PAC, et la France a poussé pour, il y avait une question de se dire comment le Green Deal, c'est-à-dire la vision politique européenne, devait être un marqueur pour la politique agricole commune. Bon. Moi, j'ai dit, il faut qu'on puisse avancer sur ce sujet-là. Et j'ai précisé dans la position de la France, il faut qu'au même moment, la politique commerciale aille s'aligner avec cette volonté environnementale et cette politique du Green Deal. Et là, aujourd'hui, on sent que les choses n'évoluent pas du tout suffisamment rapidement. Parce que on a toujours ce fameux problème juridique de compatibilité avec l'OMC et Mathilde et la Fondation. Vous avez fait des analyses juridiques très détaillées expliquant les voies de passage. Et il existe des voies de passage. Il en existe.
Mais ça veut dire bouger des lignes au niveau européen, avec certains partenaires qui ne veulent pas, bouger des lignes au niveau de l'OMC. Et ça, c'est un des points, et Clément y reviendra, qu'on voudra faire au moment de la présidence française de l'UE. Et puis le troisième volet, c'est que moi, je pense qu'on est là face à un combat qui doit être un combat politique. Vous voyez, je ne peux pas être plus clair, on le porte et on n'arrête pas de le porter, on n'arrêtera pas de le porter. Et ce combat politique, il est loin d'être gagné, hein, parce que typiquement, ce que je vous ai dit sur la PAC, je n'ai pas obtenu gain de cause. J'ai obtenu une petite victoire, qui à mes yeux n'est pas suffisante. C'est quoi la petite victoire? C'est que nous, on voulait que dans le texte législatif, il y ait un article législatif qui dise que les clauses miroirs, on devra les mettre en place. On n'a pas pu. On n'a pas réussi à se mettre d'accord pour les questions juridiques que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, ça s'est transformé en une déclaration des trois institutions en disant « c'est un vrai sujet, on va y travailler, la Commission va nous remettre un rapport au moment de la présidence française de l'UE ». Ça veut dire qu'on a mis le pied dans la porte, on a ouvert la boîte de Pandore, on a enfin un momentum politique qui commence à se créer. Mais enfin, on est encore loin du compte, très loin du compte. Et alors après, il n'y a pas de petite victoire. Je vous dis la position, par exemple, sur le Mercosur, où on a à très court terme un sujet, et je finis là-dessus, c'est par exemple le fameux acte délégué qui permettra enfin d'interdire l'importation de viande utilisant des antibiotiques de croissance. Ça fait un an qu'on le réclame avec beaucoup de détermination au niveau de l'Europe, et on va l'obtenir là, normalement, dans les tout prochains mois. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est l'une des mères des batailles, pas la seule, c'est un vrai combat politique, société civile, pour faire bouger des lignes qui vont mettre un peu de temps à être bougées, mais qui sont nécessaires. Alors, c'est entendu, et comme on parlait du comment, justement, je voudrais passer la parole à Amandine Le Breton, que j'évoquais à l'instant. Amandine, avec, je crois, deux points particuliers que vous souhaitiez évoquer avec Julien de Normandie. Oui, merci, bonjour à tous et à toutes. Alors, en effet, vous parliez de volonté, monsieur le ministre, donc on prend acte de votre volonté de porter haut et fort ces mesures miroirs à l'occasion de la présidence française. Et c'est vrai que c'est d'autant plus important qu'on est à un moment charnière, en particulier sur les pesticides, sujet qui nous est cher, si on va atteindre la réduction de 50% en 2025 pour ce qui est de la France et en 2030 pour ce qui est de l'Europe. Et en effet, j'avais deux questions, puisque vous parliez de volonté, mais au-delà, il y a la question du périmètre, et finalement, sur quoi elles se basent ces mesures miroirs. La première question, elle tourne autour de la manière de les concevoir. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a est-ce qu'on interdit l'importation des denrées sur la base des LMR, donc les limites maximales de résidus, et donc en prenant compte finalement les résidus de pesticides restants sur les produits importés, avec juste cette partie de... On interdit l'importation des denrées sur la base de l'ensemble des méthodes de production. Autrement dit, on interdit les importations de denrées produites à l'aide de pesticides, quel que soit le moment où il a été utilisé, du semis au stockage. Et pour prendre l'exemple qu'on a étudié dans le rapport, l'exemple de la lentille, au Canada, elle est traitée au sans-cor, donc c'est un insecticide autorisé au Canada et interdit en Europe sur cette culture, et donc selon l'un ou l'autre des cas, si on choisit des mesures miroirs avec l'approche LMR, limite maximale de résidus, on peut les importer en Europe. Et si on choisit l'approche avec la méthode de production globale, l'ensemble des méthodes utilisées sur les cultures, on interdit leur entrée en Europe. Donc cette question, elle est importante pour savoir vraiment en effet de quoi on parle, comme vous le disiez. Et donc, voilà, de votre point, enfin, quelle approche choisissez-vous de porter à l'occasion de la présidence française? Donc mon deuxième point pour continuer Amandine, de... Juste pour résumer, pardon, parce qu'il y a eu un tout petit décrochage de la connexion. Les LMR, les résidus versus la technique de production sur l'ensemble de la chaîne. Ça, c'est la pour l'ensemble du semi-stockage et comment construire ces mesures miroirs. Le second point, vous l'évoquiez tout à l'heure, et Mathilde le disait très bien, on a une législation européenne sur les pesticides qui est un vrai gruyère. Et donc, on sait que pour pouvoir mettre en place ces mesures miroirs et qu'elles soient compatibles avec l'OMC, il y a un enjeu qu'on a pu démontrer dans le rapport, c'est de voir supprimer toutes les dérogations, notamment sur les pesticides, pour que pas que ça soit perçu comme des mesures protectionnistes. Et donc, de cohérence plus globale avec nous-mêmes, être à l'aise avec l'agriculture qu'on veut et les interdictions d'usage de molécules ou de substances qu'on veut. Or, c'est vrai que la France, en particulier, demande souvent ces dérogations. On l'a vu récemment avec les néonicotinoïdes. Mais du coup, notre question, c'est est-ce que vous êtes prêts, finalement, à ce que la France porte la suppression de ces dérogations pour pouvoir pleinement mettre en place ces mesures miroirs?
OK, deux questions. Et je reformulerai peut-être la seconde parce que ça aussi, il y a eu un petit décrochage. J'ai entendu. Alors, chez nous, c'était bon. Parfait. Sur la première question, la réponse est clairement la deuxième. C'est-à-dire ne pas se fonder sur les LMR, mais de fonder sur la pratique culturelle. Mais c'est d'ailleurs tout l'enjeu actuel, parce que, en gros, pour faire très simple, aujourd'hui, la législation, elle dit quoi ? Elle dit qu'on peut interdire un produit, c'est ce qu'on a fait par exemple avec le diméthoate sur la cerise, que si le produit, il impacte la santé du consommateur en Europe ou l'environnement en Europe. Mais c'est délirant. C'est-à-dire que vous reprenez mon exemple du soja brésilien. Certes, quand vous importez du soja brésilien, vous n'impactez pas, à proprement parler, l'environnement en Europe, aux bornes du tourteau de soja que vous importez. Et la réalité, c'est que vous allez détruire l'environnement au Brésil, et en détruisant l'environnement au Brésil, à la fin des fins des fins, c'est l'environnement en Europe que vous détruisez. Et donc, clairement, sur cette approche, c'est l'approche pratique culturelle. Et puis, qui plus est, quand le LMR, c'est le résidu. Et donc, le résidu, il faut le détecter sur le produit. Vous avez plein de produits qui sont utilisés avant le fruit, le légume ou que sais-je, et qui ne sont pas détectables. Donc, la réponse, elle est clairement la deuxième. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi avancer sur la première. Par exemple, là, on doit revoir le règlement pesticides avec toutes ces questions de LMR. La France pousse pour qu'on puisse le revoir. Mais notre ambition, évidemment, que ça doit être la deuxième sur la pratique culturelle, et le volet lentille a été très bien dit. Sur la deuxième... Monsieur de Normandie, pour être très clair, que pour la présidence française de l'Union européenne, c'est quelque chose que vous allez pousser, et même avant. Exactement, mais là aussi, et moi je pense qu'il faut, il faut vraiment avoir en tête, il ne faut pas se raconter de carabistouille, il faut avoir en tête que c'est un combat qui est méchamment compliqué. Hein, parce que quand je vois que, et on en avait parlé avec un certain nombre d'entre vous, et je crois que vous avez vu à quel point on s'est battu là-dessus, quand je vois que ce fameux article législatif qu'on a essayé de passer avec l'appui de certains parlementaires pour faire en sorte que par la loi, les clauses miroirs puissent d'ores et déjà être incluses dans le volet agricole, bah en fait, on n'a pas eu le consensus. On n'a pas réussi à l'obtenir. Et on n'a pas réussi à l'obtenir, pas tant du Conseil que des pôles, commission et Parlement, la réalité. Et donc, si je vous dis ça, ça veut dire qu'on a réussi à quand même avoir une déclaration entre les trois entités, Conseil, commission et Parlement, et que donc on a ouvert la boîte de Pandore. Mais ça va prendre du temps. La présidence française ne va pas permettre du jour au lendemain de tout régler. C'est une évidence. Mais la présidence française, elle doit permettre deux choses. Un, de poser le sujet et de faire en sorte qu'il y ait une sorte de point de non-retour. C'est-à-dire que maintenant, on considère qu'il n'est plus possible, de ne pas avoir un socle environnemental dans la trade policy, dans la politique commerciale. Et on a un point très fort d'ailleurs, parce que certains disent aussi que ça ne va pas assez loin, etc. Mais vous savez, le nouveau mécanisme, le fameux éco-régime. L'éco-régime, il a une spécificité, c'est qu'il est obligatoire pour tous les pays d'Europe. C'est un socle pour tous les pays d'Europe. Et donc cet éco-régime-là, ce socle-là, nous, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la filière agri ? On dit à la filière commerce, vous êtes gentil, mais comme on s'est mis d'accord sur un socle, ce socle-là, ça doit devenir quelque chose qui devienne intangible dans toute discussion. Mais ce socle-là, il est bien, pour rebondir sur la question d'Amandine, sur les pratiques, pas sur les LMR. Et donc, c'est bien les pratiques, c'est bien l'option 2 qui doit être le fer de lance. Ça, c'est entendu, c'est clair. Sur les dérogations ? Et alors, sur les dérogations, le sujet, c'est, pour ceux qui nous écoutent, c'est la Fondation et certains rétorquent justement à ceux qui disent que juridiquement, ça n'est pas possible au niveau de l'OMC d'introduire les clauses miroirs, que si l'analyse juridique montre qu'il y a une possibilité, dès lors qu'on dit, si on interdit toute importation, alors il faut être sûr qu'au niveau européen, il n'y a plus aucune utilisation. Mais si ça s'appelle la cohérence, ça, non, monsieur le ministre ? Ça dépend dans quel... Enfin, si le sens de l'histoire, c'est ça, mais moi, à fond, oui, j'ai aucun problème dessus.
J'ai aucun problème dessus. Pourquoi j'ai pris des dérogations sur les betteraves? Parce qu'on allait avoir quoi comme système? On allait avoir un système où dans les 3 ans, en France, on n'aurait plus de culture de betteraves et on importerait des betteraves de Pologne, de Belgique ou d'Allemagne. Un non-sens. Il est là le problème d'incohérence. Il est là. Et donc, si par contre, vous avez ça, parce que c'est le côté de l'œuf et la poule, à partir du moment où vous n'avez pas un socle commun à tous, si du jour au lendemain, on arrive à créer le momentum et on dit, ben voilà, le corpus de base intangible pour tous, c'est cela. Ben là, vous arrivez à faire en sorte que les transitions soient beaucoup plus accélérées. Je partage. Par contre, de se dire que qu'à la fin, c'est seul l'un qui le fait, et la conséquence, avec un bilan environnemental qui est juste nul, la conséquence, c'est que ce pays qui a arrêté sa propre production importe le reste, c'est un non-sens. C'est exactement, Amandine prenait la lentille, c'est ce qui se passe sur la lentille. La lentille aujourd'hui, notre production de lentilles s'est effondrée, et on importe de la lentille du Canada. Elle est où la logique? Parce que notre lentille n'est absolument plus compétitive sur la chose. Donc c'est bien, et c'est ce que disait Nicolas Hulot, c'est à nous d'imposer les normes aux autres et pas de nous faire imposer nos propres normes. Mais il faut qu'il y ait le bouger collectif, et c'est pour ça qu'il faut le porter au niveau international et faire en sorte qu'au même moment, il y ait ces clauses miroirs. Alors, Monsieur de Normandie, merci. Je voudrais, si Amandine, vous avez un très très court commentaire, là, parce que le temps file, donc je dois faire ce travail aussi de garder le temps, qui est assez ingrat, mais voilà, je le fais. Est-ce que, Amandine, vous avez un court commentaire? Sinon, j'aimerais qu'on entende Bruno Fayet sur… Je retiens que le ministre portera de même plan mesures miroirs et fin des dérogations, ce qui est en effet essentiel en termes de cohérence. Mais je laisserai Bruno compléter sur la partie élevage, c'est important aussi. Voilà, donc sur la partie élevage, Bruno Dufayet… Il y a des sujets que vous vouliez évoquer, notamment avec 4 points sur lesquels vous êtes vigilant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, ben déjà, répéter quand même tout l'enjeu des clauses miroirs et des mesures miroirs, justement, pour notre production. Déjà, à partir d'un constat qu'on a fait, et ça a été dit aussi par Julien de Normandie, hein, on partage un modèle de production. On partage le modèle de production durable qu'on a en France. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Hein, et c'est ce modèle qu'on souhaite défendre. Alors, on dit le modèle, mais aussi finalement les pratiques qui sont associées à ce modèle-là. Très rapidement, hein, on a en France le modèle d'élevage de bovins viande en France. Tout à l'heure, on parlait des truies. Ben, nous, c'est entre 50 et 60 vaches. C'est un actif, c'est-à-dire un éleveur pour ce nombre d'animaux. Et c'est une soixantaine d'hectares aussi qui servent à alimenter ce troupeau. Ça, c'est le modèle français. C'est un modèle qui est quand même basé, et on a encore cette chance, sur l'herbe. Hein, c'est un modèle herbagé. Aujourd'hui, encore 80% de l'alimentation d'un bovin viande, c'est de l'herbe. On a cette chance en France d'alimenter à base d'herbe, d'être sur un système herbagé. C'est aussi des systèmes, on parle beaucoup d'autonomie. Une des vertus environnementales, c'est d'être le plus autonome possible. C'est un modèle qui, lui, est autonome. 90% de l'alimentation d'un troupeau de vaches pour la production de viande bovine en France est produite sur l'exploitation. Donc ça, c'est le modèle. Et il y a donc toutes les pratiques qui sont associées, qu'on veut défendre. Alors, il y en a 4. Est-ce qu'on peut les énumérer? Oui, je vais arriver sur les 4, mais justement, je vais très vite arriver sur les 4. Et donc, on a aussi analysé quelles étaient les pratiques des éleveurs dans les pays qui exportent aujourd'hui sur l'Union européenne. Et donc là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 normes essentielles qu'on souhaitait protéger au travers des clauses miroirs. Il y en a une qui porte sur l'alimentation, la première. L'alimentation, c'est évidemment tout le sujet autour des farines animales. Les farines animales sont interdites dans l'alimentation d'un ruminant en Europe depuis la crise de la vache folle. On a tous en mémoire cet épisode-là. Et alors qu'on a encore des pays, par exemple le Canada, où c'est toujours autorisé d'utiliser, alors maintenant on appelle ça, c'est le nouveau nom, hein, c'est un peu plus chic, des protéines animales transformées, mais c'est la même chose. Ça reste des farines animales, c'est le même sujet. Et donc, on a des pays où c'est autorisé et on ne se protège pas, notamment par rapport à cette pratique d'alimentation dans les importations, au niveau des importations européennes. Ensuite, je préfère Bruno Dufayet, pardon. Aujourd'hui, les Français mangent de la viande issue de, enfin, dont les bêtes ont été nourries aux farines animales. Aujourd'hui, un Européen peut manger effectivement de la viande venant du Canada, d'animaux issus qui ont été alimentés avec des protéines animales transformées. Oui. Alors que nous avons collectivement dit que nous n'en voulions plus. Voilà, et que clairement, on a une réglementation qui nous l'interdit aujourd'hui en Europe pour ce qui est des bovins. Ok, on passe à la norme suivante. Oui, la norme suivante, elle tourne, Monsieur le ministre l'a évoqué tout à l'heure, autour du sujet sur les antibiotiques. En Europe, il y a une réglementation sur l'usage des antibiotiques.
Un éleveur de bovins, quand il utilise des antibiotiques, c'est pour soigner un animal malade, c'est clair. Il n'y a pas d'autre utilisation possible, c'est-à-dire que c'est très réglementé, avec un vrai suivi en plus de l'utilisation, notamment en France, hein, puisqu'on a nos cahiers sanitaires. Dans d'autres pays du monde, justement, on utilise les antibiotiques comme activateurs de croissance. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire un schéma assez simple, c'est qu'on laisse l'animal sous couverture antibiotique tout le temps de la période d'engraissement pour que, justement, il ne soit pas sujet à maladie et qu'il soit le plus performant possible. Donc là aussi, hein, c'est clairement l'utilisation d'antibiotiques comme activateur de croissance. C'est une norme qui est clairement interdite en Europe, et tant mieux. Par contre, on ne se protège pas, là non plus, sur les importations de viande bovine de cette utilisation comme activateur de croissance. Donc ça, c'est aussi un sujet qui est pour nous primordial. Ensuite, on a un autre sujet, troisième norme, autour de la traçabilité. Aujourd'hui, la traçabilité est obligatoire en Europe. Qu'est-ce que c'est que la traçabilité? En fait, c'est l'identification de l'animal. Quand un animal naît en Europe, quand un animal naît sur une ferme française, l'éleveur doit notifier sa naissance, on lui attribue un numéro, c'est sa carte d'identité, en fait, la carte d'identité de l'animal, qui permet justement à la fois de suivre les mouvements le mouvement de l'animal, s'il passe d'une ferme à l'autre, de suivre aussi, au travers des contrôles qui seront faits ensuite sur la carcasse, s'il y a bien un bon respect des normes européennes de production, et donc de savoir si jamais il y avait une faille, pouvoir remonter jusqu'au producteur et sanctionner s'il y a besoin de sanctionner. C'est aussi, finalement, c'est au service du consommateur toute une protection, finalement, des enjeux du consommateur quand il consomme de la viande européenne. Et puis, c'est aussi une information de transparence ultra importante. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la transparence, et c'est une information ultra importante de transparence qui permet finalement d'aller de l'éleveur jusqu'au consommateur et de suivre tout ce qui s'est passé entre les deux. Okay. Ça, clairement, ça n'existe pas ailleurs. OK. Donc, là aussi, c'est hyper important d'arriver à suivre, et on y reviendra sur la deuxième table ronde, Marine en reparlera, mais cette nécessité de pouvoir suivre ce qui s'est passé entre la naissance de l'animal et l'arrivée de la viande dans l'assiette, ben, doit être aussi opposable, finalement, en termes de normes aux éleveurs et aux pays avec lesquels on commerce. On le comprend très bien, mais il y a un quatrième point pour qu'on avance, c'est le bien-être animal. Voilà, un dernier sujet autour du bien-être animal. Clairement, on a, nous, une réglementation, hein, on a une réglementation autour du transport des animaux, sur les densités de logement d'animaux dans les fermes ou dans les bâtiments. Clairement, dans les autres pays du monde, il n'existe rien. Dans les autres pays d'Amérique, notamment, hein, Amérique du Nord, Amérique du Sud, on n'a pas de normes de bien-être animal qui sont aujourd'hui posées. Et là aussi, une fois de plus, on ne se protège pas face à ce sujet du bien-être animal, on ne se protège pas au travers de nos exportations. Donc, pour nous, ces quatre normes sont majeures. Après, je voudrais rajouter quand même que l'objectif, ce n'est pas juste de se protéger sur une pour dire, voilà, c'est top, on s'est protégé demain sur les antibiotiques, si on n'a pas fait le même travail sur les trois autres. C'est vraiment une approche globale de cette protection de normes au travers des clauses miroirs qu'on doit mener. Et le combat, effectivement, doit être sur l'enjeu de bien protéger ce modèle, si on veut défendre ce modèle-là. Et très vite, bon, je l'ai entendu, hein, je suis d'accord avec Julien Normandie, on partage tous le constat. Le constat est fait qu'il y a une nécessité de travailler sur les clauses miroirs, mais il faut très vite qu'on passe maintenant à des choses concrètes. Et voilà, je rejoins aussi ce que disait Amandine juste avant. Il y a la nécessité de rentrer très vite dans la mécanique pour rendre les choses le plus concret possible et le plus rapidement possible. Parce qu'il y a urgence aujourd'hui pour l'élevage français. Merci Bruno Dufayet. Monsieur le ministre, je ne vais pas vous demander de réénumérer ou de retraiter les quatre sujets parce que malheureusement, on n'a pas le temps. Mais monsieur Dufayet présente ces quatre sujets comme étant systémiques, finalement, une approche globale. Est-ce que vous nous avez dit tout à l'heure que sur les clauses miroirs, c'était un combat, mais que vous entendiez le mener? À l'intérieur, quand on a cherché dans les détails, ce système-là qui est posé, par exemple, sur l'élevage, est-ce que ça, la France va le défendre? Oui, alors, il y a, dans les différents sujets, il y a des mesures de très court terme qui sont déjà enclenchées, sur lesquelles on se bat et on va obtenir gain de cause très vite. Je pense, par exemple, aux antibiotiques de croissance. J'étais encore avec la commissaire en charge il y a quelques jours et le sujet, ça y est, il y a ce qu'on appelle un acte délégué qui doit être pris et on va l'obtenir et donc ce sera une victoire. Après, il y a un deuxième point, c'est quelle que soit l'approche, c'est-à-dire l'approche de traçabilité qu'évoque Bruno est pour moi une approche essentielle.
mais que ce soit le bien-être animal ou que ce soit les modes de production, si on fait le parallélisme avec le végétal, moi je pense que la victoire, on l'aura le jour où ça deviendra un principe dans la négociation commerciale. Et encore une fois, j'insiste, pas que dans le traité de libre-échange, dans la négociation commerciale. Il y a un organe, par exemple, qu'on oublie, mais qui existe, qui s'appelle le Corpus Alimentarius, qui est l'organe international de l'ensemble des normes. Bon. Cet organe, il n'a aucun poids, ou trop peu de poids. Et en fait, il faut que ce soit l'Europe qui devienne la locomotive des normes, et que ces normes, elles en fassent un socle. Mais ça veut dire qu'il faut que ce soit un principe de base que dans la politique européenne, à une vision agricole, soit faite une association avec la vision commerciale, et que tout cela soit sous ce grand chapeau qu'on appelle le Green Deal, qui est la politique environnementale ou la politique des différentes transitions. Et donc, pour nous, la France, ce qu'on fait, c'est qu'à la fois, on engrange les victoires comme sur l'antibiotique de croissance, et en plus, on crée les conditions pour qu'on puisse enfin obtenir ce principe de base. Ce qui est sûr, c'est que ces victoires précises, on commence à les obtenir et elles arrivent là, tac, et on va continuer avec la présidence française. Changer complètement une approche de la politique commerciale, ça ne va pas se faire en 6 mois de présidence française. Par contre, tout l'enjeu pour nous, c'est que ces 6 mois de présidence française puissent créer un point de non-retour. C'est-à-dire qu'on enclenche la dynamique qui fait qu'à terme, on aura ce socle-là et que ce soit impossible de faire le non-retour. Et je précise juste, parce qu'il y a une question qui est posée s'il vous plaît. Dans le fil, quelqu'un dit, et vous êtes plusieurs à dire, mais pourquoi, si l'Europe ne va pas assez vite, pourquoi on ne le fait pas au niveau français ? C'est une question très légitime. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous reprenez les exemples donnés par Bruno sur la viande. Vous avez énormément de viande importée, que ce soit dans le bœuf ou que ce soit dans la volaille, qui ne sont pas importées jusqu'au port français, qui arrivent dans d'autres ports européens et qui ensuite arrivent jusqu'au territoire français. Vous avez même parfois des aliments de la viande qui arrivent sur le territoire européen, qui est mis en condition sur le territoire européen, et donc là vous avez une traçabilité encore plus forte à aller chercher. Bref, on ne va pas réinstaurer des frontières nationales de contrôle de tous les camions qui passent, évidemment. Donc la seule solution pour mettre fin à cette sorte d'hypocrisie, comme je la qualifie, et surtout rendre les transitions plus rapides, c'est d'obtenir cela au niveau européen. C'est donc vous allez le faire, enfin en tout cas vous allez essayer de le faire. Ah ben c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on est en train de le faire. Le seul point, c'est qu'encore une fois, il y aura des victoires de très court terme, comme les antibios de croissance, et il y a surtout une ligne de conduite qu'il nous faut tracer, parce que ça prendra, pour que ça devienne un socle, ça prendra forcément un temps certain. Vous avez en Europe des pays qui n'ont pas la même vision que nous. On en a parfaitement conscience. Une Europe qui a aussi les règles de ce commerce international. Ce que je vous disais sur les protéines, ça fait 50 ans que ça dure. C'est pour la première fois qu'on a réussi à changer et à infléchir la donne. Mais ça faisait 50 ans que le système était organisé comme ça. Et ça y est, là, on a un point irréversible et on a obtenu gain de cause. Et donc maintenant, c'est la même chose, le même combat sur les causes miroirs. Alors, dernier point. Donc, on entend que vous faites vôtre ces 4 sujets et ces sujets en général. Très rapidement, je voudrais entendre Amandine et Bruno Dufayet, Amandine Le Breton et Bruno Dufayet, sur deux autres points qui vous tiennent à cœur sur l'accompagnement, avant qu'on passe à la deuxième partie avec Clément Beaune. Oui, merci. Très, très rapidement, parce qu'on a beaucoup de retard et on est désolé. Juste un petit point sur la PAC, parce que malgré tout, on parlait d'accompagnement et ces mesures miroirs, elles sont une condition nécessaire, mais ce n'est pas suffisante à la transition agroécologique. Nous, on regrette qu'à ce stade, finalement, on ait construit une PAC qui s'inscrit dans plein de bouleversements climatiques, biodiversité, changements générationnels. Finalement, on utilise peu ou prou les mêmes ressorts, les mêmes outils que ces précédentes. Quelques exemples que je voulais donner, mais que je ne vais pas avoir le temps de développer, c'est que finalement, on n'a pas une PAC aujourd'hui qui reconnaît et rémunère certains systèmes pour les services qu'ils offrent à la société. Alors qu'on avait l'opportunité de le mettre en place. Et ça fait aussi partie, comme les mesures miroirs, de cette transition écologique. 3 exemples très rapides, c'est qu'on a réduit les aides environnementales à la bio. Alors, je sais qu'il y a eu tout un débat sur les aides à la bio, donc ce n'est pas les aides à la bio, c'est bien les aides
dont bénéficient les agriculteurs qui mettent en place des pratiques aux impacts avérés pour l'environnement. Ces aides à la bio, donc ces aides environnementales, ont réduit de 66%. Le deuxième point, qui est compliqué à entendre dans ce monde en mouvement, et notamment par rapport aux objectifs de réduction des pesticides, c'est que le plan stratégique national ne permet pas de rémunérer les services en proportion de leur performance. Et pour faire très court pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, dans la PAC, on va avoir donc une aide qui va soutenir tout autant l'agriculture biologique, dont les impacts sont avérés sur l'environnement, et la haute valeur environnementale, dont l'Office français de la biodiversité dit que le label ne présente, dans la grande majorité des cas, aucun bénéfice environnemental. Même remarque, d'ailleurs, pour le Haut Conseil pour le climat. Donc, malheureusement, ça veut dire que là, on fait le choix de ne pas différencier les pratiques ou les systèmes en fonction de ce qu'ils apportent à la société, alors même que c'est toute la vertu des politiques publiques et notamment des aides publiques. Et le troisième point, c'est ces fameuses mesures agro-environnementales système qui auraient permis, si elles avaient été plus massives, de changer de modèle. Et donc, finalement, tous les outils qui auraient permis vraiment d'accompagner, une fois qu'on a pu protéger les agriculteurs et l'environnement avec des mesures miroirs, et d'impliquer, d'inciter la majorité des agriculteurs à s'engager sur le long terme en leur garantissant une rémunération des services. Ce n'est pas aujourd'hui dans la PAC, et voilà, ça aurait été un point qu'on aurait voulu développer un peu plus, mais malheureusement, on n'en a pas le temps ici. Alors, Amandine, on note ce point. Bruno Dufayet. Je peux répondre. Monsieur le ministre, je repasse la parole juste après, mais je prends le point de Bruno Dufayet, comme ça vous répondrez aux deux en même temps. Non, je préfère répondre si je peux, parce que on va exploser le temps. Ça m'interpelle complètement, mais je réponderai aussi à Bruno. Alors, parce que Amandine, brièvement, s'il vous plaît, parce que... Je vais être court, mais je ne peux pas laisser dire ce qu'a dit Amandine. Parce que, encore une fois, je pense, c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure, il faut la première chose à faire pour qu'on soit tous dans un momentum, dans un consensus, qu'on avance tous ensemble, c'est surtout qu'à la fin des fins, on ne dise pas des choses qui ne sont pas vraies. J'insiste dessus. Bon. Parce qu'il y a deux points que je voudrais répondre sur ce qu'a dit Amandine. Moi, j'adore quand certains ont réussi à convaincre des personnes de se mettre tout nus sur les réseaux sociaux pour faire croire que de Normandie voulait mettre la bio à poil. Et Amandine, vous avez repris exactement leur argumentaire en disant qu'on réduisait de 66% les aides bio. Les aides environnementales. Non. Le 66% vient de la FNAB, c'est les aides bio. Ce truc est totalement faux. Il est d'ailleurs tellement faux, je m'en suis exprimé avec le président de la FNAB, que même la FNAB aujourd'hui arrête de le dire. Même la FNAB, parce que le truc est complètement faux. C'est quoi le sujet, Amandine ? C'est que, et c'est très important à avoir en tête, la PAC, il y a un pilier qui est l'investissement. Sur ce pilier investissement, les aides de la bio, on passe de 250 millions d'euros à 340 millions d'euros. C'est factuel, on augmente de 30%. Je finis, Amandine, je vous ai laissé parler, je vais aller jusqu'au bout. On augmente de 30%, c'est factuel. Mais c'est factuel. Bon. Par contre, il y a un débat qui est la nature de ces aides. C'est-à-dire que dans ce deuxième pilier, moi j'ai dit, je mets non pas 250, mais 340 millions d'euros sur la bio. Et au même moment, j'ai des personnes qui convainquent des personnes de se mettre tout nu en disant que je sacrifie la bio. Franchement, parfois je me dis qu'on marche sur la tête. Et c'est quoi le débat ? C'est qu'aujourd'hui, il y a deux types d'aides. Il y a une aide au maintien et une aide à la conversion. De quoi parle-t-on ? L'aide au maintien, vous avez 9000 personnes aujourd'hui qui bénéficient d'une aide au maintien. C'est-à-dire que ça fasse 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes en bio, vous continuez tous les mois, tous les ans, à toucher une aide bio. Quel est le défi dans notre pays aujourd'hui ? Aujourd'hui, on importe 30% du bio. 30%. Quand vous êtes pouvoir public, que vous faites face à une situation où on importe 30% du bio, quel est votre objectif ? C'est d'accroître le nombre de personnes qui se convertissent du conventionnel au bio. Et donc, le choix qu'on fait est de dire, on passe de 250 à 340. Dans ces 250, avant, il y avait environ 50 sur les aides au maintien. Maintenant, on met 340, tout sur l'aide à la conversion. Bon. J'entends qu'il y a ce débat-là. Moi, je suis ouvert à tous les débats. Je veux dire, on me dit, monsieur le ministre, vos outils ne sont pas les bons. Bah, travaillons sur les outils. Par contre, ce que je n'accepte pas, et ça, vraiment, je le dis parce que ça m'exaspère, ce que je n'accepte pas, c'est qu'on dise des choses fausses du type moins 66%. Premier point. Parce que ce truc est strictement faux. On les augmente de 30, on n'est juste pas d'accord sur la nature de l'outil.
Bon. Monsieur le ministre. Juste deuxième point. Pour, désolé, monsieur le ministre, je vous demande vraiment parce que je voudrais qu'on entende monsieur Beaune également, qui est là avec nous. Mais deuxième point, parce que là aussi, c'est très important, le débat n'arrête pas d'arriver. C'est la question, on met au même niveau HVE et bio, sur le premier pilier cette fois-ci. Et donc, vous avez dit, Amandine, je vous cite, on aide autant le bio que HVE. Mais là où il y a une erreur d'appréciation, si je puis dire, la PAC, il y a deux choses. Il y a le deuxième pilier, c'est ce que je viens d'évoquer sur la bio, qui est de l'aide à l'investissement. Le premier pilier, c'est l'aide aux revenus. Et donc, c'est quoi l'aide aux revenus? C'est, vous avez un revenu, et comment fonctionne ce schéma, le fameux éco-régime? On dit aux gens, mais faisons-le avec nous tous, hein, topons, on dit aux gens, vous avez le droit à 100, donc d'aide aux revenus, en fait, on ne vous donne pas 100, on ne vous donne que 75, et les 25 suivants, on ne vous les rend que si vous avez une pratique environnementale. Et là, le débat qu'on a, c'est est-ce que pour rendre les 25, on ne rend les 25 que à ceux qui sont en bio, on rend aussi les 25 à quelqu'un qui s'est mis au HVE, ou par exemple, pour parler de Bruno, l'élevage de Bruno qui n'est pas en bio, mais l'élevage de Bruno qui, parce qu'il a des haies, parce qu'il a des prairies permanentes, influe sur l'environnement, on lui rend aussi les 25, parce qu'il y a un gars qui va faire des protéines, ou une dame qui va faire des protéines, beaucoup de protéines, et enfin on arrêtera d'en importer, eh ben on lui rend aussi les 25. Et moi je pense qu'il faut surtout arrêter d'opposer toutes ces agricultures. C'est un non-sens. Monsieur le ministre, il ne s'agit pas d'opposer les agricultures. En revanche, on peut questionner de manière factuelle l'impact environnemental de la HVE et proposé, par exemple. Ça, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, on étudie sur des bases factuelles et qu'on puisse en tirer des conclusions. Pardon, mais de rendre de l'argent. C'est de l'argent public. Pardon, mais il ne s'agit pas de rendre de l'argent, excusez-moi. Il s'agit de savoir quel système on veut pousser sur une politique publique dont on consacre 9 milliards d'euros par an. La HVE, quoi qu'on en dise, je sais que vous voulez la réviser, et c'est, semble-t-il, très bien. Mais donc, malgré tout, sur les 25% dont vous parlez des aides, vous estimez qu'on rend l'argent de ces agriculteurs. Mais non, nous, on estime que, comme l'avait d'ailleurs proposé le président de la République pendant sa campagne, que les paiements pour services environnementaux sont une bonne manière pour de l'argent public de valoriser des paiements. Amandine, le problème de... En effet, l'aide au maintien n'était pas un PSE, mais était une forme de reconnaissance des apports de l'agriculture biologique à la société. Un agriculteur, Amandine, vous prenez, mais je ne veux pas parler à la place de Bruno. Bruno, sous contrôle de Bruno, il n'est pas en bio. Bon. Bruno, il a un impact environnemental parce qu'il va mettre des haies, parce qu'il va avoir une prairie permanente, parce qu'il va avoir des zones humides dont il va faire la protection. Vous allez expliquer à Bruno que comme il n'est pas bio, sur le premier pilier, sur les revenus, jamais, jamais, il aura accès à l'éco-régime comme un non-bio, comme un bio, pardon. Ça ne peut pas marcher comme ça. Le cumul de l'accès au label plus les infrastructures agroécologiques. On sait aussi qu'il y a ce cumul qui est possible. La question, c'est de savoir si on met au même plan, en termes de société, un label qui aujourd'hui n'est pas dit comme étant impact positif sur l'environnement, au même niveau qu'un label qui est reconnu depuis des années. Très bien. Et c'est ça que vous avez par rapport à de l'argent public. Amandine, merci. Désolée. Je pense on a compris qu'il y avait un sujet autour de la HVE, la bio. Peut-être que ça mérite en soi une discussion pour que le public nous comprenne, parce que c'est aussi un peu technique et qu'on puisse creuser cette question. Je suis désolé, je vais un peu couper la chic à Bruno Dufayet parce que sinon on ne va pas entendre M. Beaune. Mais Bruno, je propose que les questions soient posées, transmises à votre cher collègue qui va intervenir dans un court instant. Sinon, on va être en retard pour tout le monde. Et je souhaite aussi que la conversation redevienne un peu plus sereine. Alors là, on va poser la question... La question de la PAC et de la stratégie que la France souhaite proposer dans les négociations qui viennent, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Je crois qu'on a un petit jingle et qu'on va, ou un petit panneau en tout cas, et qu'on va accueillir Marine Colli, qui est responsable des enjeux publics chez Interbev, Bruno, donc voilà, qui va pouvoir prendre votre relais, et Samuel Leray de la Fondation Nicolas Hulot. Voilà, est-ce qu'on peut me dire si Marine Colli est là. Voilà, Marine Colli, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour à tous.
Voilà, et vous pourrez prendre le relais de Bruno. Il s'agit juste d'avancer et, comme on s'y est engagé, d'avoir cette discussion avec Clément Beaune, puis avec Chantal Joanneau, comme on l'a annoncé tout à l'heure. Alors, sur cette question des mesures miroirs, Monsieur Beaune, rebonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment est-ce que vous entendez, quelle stratégie vous entendez mener, quelle stratégie la France entend-elle mener de manière très concrète pour obtenir gain de cause dans ces négociations? Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Beaune? Pardon. Je pense que ça marche maintenant. Est-ce que vous avez entendu ma question? Oui, sur les négociations, sur le programme de la présidence française, notamment sur les questions, j'ai bien entendu, politique commerciale, politique agricole, du coup, aussi. Voilà. On parle du comment. Comment allez-vous faire? Comment allez-vous vous y prendre? Et je dirais même, quel serait pour vous, au terme de cette présidence française de l'Union, quel serait un succès? À quoi ressemblerait un succès pour vous, selon vous? Qu'est-ce qu'il y a à gagner dans le prolongement des échanges qu'on a eus depuis tout à l'heure? Bonjour à toutes et à tous. Je pouvais être rapide, je pourrais vous le dire de deux façons. On peut obtenir un certain nombre de changements, de textes législatifs qui vont être proposés, avant même d'ailleurs la présidence française de l'Union européenne. Je pense à deux sujets qui, au sens large, sont connectés avec la discussion qu'on a en ce moment et que vous avez eu avec Julien de Normandie. C'est, par exemple, un mécanisme ou une taxation carbone à nos frontières. C'est un texte législatif sur la déforestation importée et les faire avancer. Pour être honnête, un texte présenté en octobre, novembre, décembre 2021, comme l'a dit Julien, sur le déroulé d'une présidence semestrielle, il ne sera pas bouclé sous une présidence, mais on peut évidemment le mettre à l'ordre du jour et le faire accélérer. Et je le redis, Julien de Normandie le disait il y a quelques minutes, pour être clair, notre présidence, je considère qu'elle a commencé, bon, on a présenté nos idées, notamment en matière commerciale, dans le discours du président de la République à la Sorbonne. Elle a commencé au fond il y a 4 ans. Je dis ça parce que ce que je veux dire, c'est que si on attend le 1er janvier pour dire on va faire des propositions et puis on espère qu'elles aboutissent le 30 juin, ça ne marche pas comme ça. Et donc, ça veut dire que tout ce qu'on se dit là, on se bat déjà pour, avec le miroir par exemple, mais on les fera accélérer sous présidence française. Et la présidence, c'est à la fois un accélérateur et un moment où on y met de l'agenda. Puis il y a une deuxième façon, je reviendrai sur des éléments plus détaillés, il y a une deuxième façon de voir les choses, et moi, je crois plus à ça, et ce n'est pas un slogan, c'est qu'il faut essayer, parce que c'est un combat politique, tout ce dont on parle depuis le départ. Le blocage n'est pas tellement, on peut avoir un débat sur est-ce qu'on peut faire ces choses-là dans le cadre de l'OMC, les clauses miroirs, etc. Comme le disait le ministre de l'Agriculture, le combat, il est politique et il est interne à l'Europe. Je l'assume et je le dis, et il est difficile. Et d'ailleurs, je crois que les désaccords, on l'a vu, sur l'interprétation ou quelques mesures, mais sur le fond, ce n'est pas du consensualisme, mais on est d'accord sur l'objectif. Donc, c'est un combat politique qu'on mène de manière différente entre une ONG ou un membre du gouvernement, bien sûr, et avec des désaccords, mais on essaie de changer le logiciel européen sur le commerce, pour faire court. Okay. Et vous estimez les chances d'y arriver réelles, ou est-ce que c'est... Ça semble tellement homérique, en tout cas du point de vue. Est-ce que d'abord, je pense que ce logiciel-là, il a commencé à évoluer. Quand vous voyez, je prends un exemple concret de combat politique qui a été gagné et qui se traduit en mesure, je prends même deux, si vous me permettez, l'idée que les clauses essentielles, que le respect de l'accord de Paris soit clause essentielle dans les accords commerciaux, on a encore du mal à l'injecter. Mais là, c'est la position officielle de la Commission européenne depuis qu'elle a présenté le Green Deal en décembre 2020. On ne manque pas de lui rappeler. C'est nous qui avons lancé le premier. C'était une lettre solennelle du président de la République au président de la Commission d'alors, M. Juncker, qui a dit « on n'acceptera plus de nouveaux accords que vous commencez à négocier si on n'est pas capable d'avoir cette exigence environnementale ». Je prends un autre exemple qui est directement un sujet de politique commerciale et d'enjeux climatiques, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Je le dis avec d'autant plus de sérénité que ce n'est pas une idée qui date de ce mandat et de ce gouvernement, c'était un combat français d'avant. Je crois qu'on l'a amplifié, on l'a accéléré. Aujourd'hui, il y a, j'estime, une vingtaine de pays, et donc une majorité claire, qui sont au niveau européen favorables au principe d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc le combat politique, il porte ses fruits, il se traduit en mesure. Et je vous prends cet exemple-là parce que je pense que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, là, ça peut être une réussite finale sous présidence française, au moment d'avoir un accord politique avec les étapes ensuite. Donc moi, ce pourquoi je plaide,
c'est que sur les clauses miroirs, sur le respect des standards alimentaires, sur la traçabilité, sur les contrôles qu'on met en place dans des accords commerciaux, si on en a encore demain, on a changé le modèle et on a des mesures très précises. Je dis un dernier point, parce que c'est concret sur la présidence française, et Julien de Normandie en disait un mot, c'est une évidence, mais ça va mieux en le disant, il y a un agenda défensif dans ce combat politique. Éviter des accords commerciaux qui sont mauvais. Évidemment, je pense d'abord à celui sur le Mercosur. Julien l'a dit très clairement, je le redis, pour nous, le texte qui est sur la table, c'est non, et ça sera encore non, et toujours non. On avait un danger sous présidence portugaise, qui, comme vous le savez, a beaucoup défendu cet accord. Je ne pense pas que la présidence slovène qui vient de commencer le mettra à l'ordre du jour. Pour nous, en tant que maître de l'agenda, il sera évidemment hors de question de faire quoi que ce soit dans le sens de cet accord. Merci, c'est super clair. Samuel Léré pour la Fondation. Un point particulier, enfin une réaction, et puis un point à poser sur la question des pesticides. Ouais, alors je voudrais réagir d'abord à ce qu'a dit Monsieur Beaune. Déjà, merci beaucoup à tous les deux de participer à ce débat et de dépasser un peu le temps qui était prévu. Moi, je voudrais réagir sur le Mercosur parce que la position française, effectivement, elle a été de dire de s'opposer, mais elle reste quand même floue. Et l'expression dit « quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ». Et sur le Mercosur, jusqu'à présent, vous avez dit « la France s'y oppose en l'état ». Le président de la République l'a dit, vous l'avez à peu près tous dit, tous les membres du gouvernement et même les députés de la majorité, donc vous avez été relativement clair. Là où vous n'êtes pas clair, c'est ce que signifie le « en l'état ». Donc c'est la première question que je voudrais vous poser, parce que en l'état, des fois, quand on vous écoute, on a l'impression c'est « tant que Jair Bolsonaro est là et mène sa politique ». Or, en fait, quand on lit notamment ce qu'ont pu dire les experts que vous avez vous-même nommés dans le rapport, c'est que l'accord lui-même, peu importe qui est Jair Bolsonaro ou pas, finalement, va entraîner une augmentation de 25%, une accélération de 25% de la déforestation. Juste un exemple. Donc moi, sur ce sujet, je voudrais vous poser la question. Est-ce que la position française, c'est bien que vous ne voulez pas d'accord UE-Mercosur tout court, Bolsonaro ou pas Bolsonaro? Et ma seconde question, elle est, à partir du moment, si jamais c'est bien l'accord que vous ne voulez pas, est-ce que, parce qu'on sait aussi qu'il y a des membres du gouvernement qui ont dit qu'on ne va pas jeter l'accord dans sa globalité à la poubelle. Quelle est l'action que vous avez menée pour le modifier? Parce qu'à ma connaissance aujourd'hui, donc peut-être que ça a changé, mais dans toutes les discussions qu'on a pu avoir les uns avec les autres et avec vos collègues du gouvernement, la France n'a jamais demandé une réouverture des négociations. Juste pour que tout le monde comprenne, la France actuellement n'a pas pu s'opposer à l'accord parce qu'il n'y a pas encore eu de vote, mais les négociations... Et on est dans la phase de toilettage, donc ça continue. La France n'a pas non plus arrêté l'accord. Il continue dans sa routine actuelle. Donc ça, c'était ma première question sur la partie Mercosur. Et puis, ma seconde question qui va être le corollaire, parce qu'on va accélérer, mais sur la question de la politique commerciale. Pareil, encore une fois, vous avez parlé de l'accord de Paris comme clause essentielle. Donc juste pour expliquer à ceux qui nous écoutent, l'accord, dans les accords de commerce, vous avez des clauses essentielles qui disent, par exemple, si on ne respecte pas ce point-là, du coup, l'accord est suspendu ou est arrêté. Donc, c'est par exemple le cas des droits humains. Si jamais sur un certain nombre de droits humains ne sont pas respectés, alors on peut suspendre l'accord. L'Union européenne l'a déjà fait avec la Birmanie, par exemple, par le passé. La question est de mettre l'accord de Paris dans cet accord. Le problème est là où, encore une fois, vous êtes relativement flou et on espère que vous allez pouvoir nous éclaircir sur tous ces points. C'est que signifie respecter l'accord de Paris? Est-ce que c'est juste l'avoir signé? Auquel cas, si on avait une telle clause avec l'accord, avec un accord avec le Brésil, ça voudrait dire que Jair Bolsonaro l'a respecté. Donc, ça voudrait dire que ce ne serait vraiment pas très efficace. Ou est-ce que c'est vraiment une mesure ambitieuse de dire que c'est bien le respect des trajectoires de CO2, donc les engagements qui sont pris dans le cadre de l'accord de Paris, qui sont tenus? Donc, c'est ces deux points d'éclaircissement que j'aimerais bien avoir de votre part, monsieur le secrétaire d'État, s'il vous plaît. Alors, monsieur Beaune, je vais vous lancer un défi, c'est d'être efficace, percutant et bref. Et je ne doute pas que vous le soyez. C'est beaucoup à la fois. Non, je vais être très clair sur le Mercosur. Il n'y aura pas d'accord Mercosur, parce que, d'ailleurs, vous pointez un petit paradoxe, c'est que vous dites pour changer le « en l'état », il faudrait rouvrir une négociation. Vous nous dites, vous n'êtes pas clair parce que quand vous dites en l'état, ça sous-entend qu'avec une renégociation, on pourrait arriver à nos objectifs et vous insistez d'une certaine façon, vous reprochez de ne pas demander la renégociation. Je vais vous dire très clairement, parce qu'on l'a dit publiquement, Franck Riester l'a redit encore récemment, il y a trois éléments qu'on a pointés du doigt, et je pense que vous les partagez sur le fond, dans ce qui fait le problème de l'accord commercial UE-Mercosur,
le projet d'accord commercial UE-Mercosur, puisqu'il n'a effectivement pas été soumis à un vote. Justement, la question de l'accord de Paris, je reviendrai sur comment on définit le respect de la clause essentielle, mais le non-respect de l'accord de Paris, donc pour anticiper ma réponse de tout à l'heure, ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de signer l'accord, le non-respect de l'accord de Paris qui nous semble, le respect de l'accord de Paris qui ne semble pas être garanti par le projet d'accord, les questions de déforestation et les questions de contrôle et de standards alimentaires. C'est les trois points clés. Je ne vais pas rentrer trop en technique, mon sentiment profond, c'est qu'il faudrait en effet renégocier un accord de manière assez profonde pour atteindre ces objectifs, auquel cas ce serait un sujet différent. On n'en est pas là, il n'y a aucune autre, il n'y a aucune appétence probablement de nos partenaires. On a essayé, ce que vous disiez implicitement, on l'a discuté avec Franck Riester, c'est qu'on a tendu la main à nos partenaires européens à plusieurs reprises, y compris la présidence portugaise qui, pour des raisons géopolitiques, tient à ne pas couper les ponts avec l'Amérique latine. Donc on a été, si je puis dire, bons camarades. On a dit, si vous avez trouvé une solution magique qui renégocie profondément l'accord, on regardera. Mais je vous le dis très sincèrement, ma conviction profonde, c'est que ce n'est pas possible. C'est un ensemble vide. La renégociation qui plaît à nos partenaires européens, qui plaît à nos partenaires sud-américains et qui en même temps respecte les trois exigences que je crois que ça n'existe pas. On a regardé. Monsieur Beaune, moi je retiens votre phrase. Je retiens votre phrase. Il n'y aura pas d'accord. Si cet accord n'est pas changé, notre position ne changera pas. C'est non. Et cet accord, je pense, ne peut pas être changé profondément comme il le devrait. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, pour être clair. Donc, je développe un peu. Sur la deuxième question, Monsieur Beaune. Sur la deuxième question, s'il vous plaît. Sur la deuxième question. Oui, sur la deuxième question, sur la clause essentielle. Je tiens quand même à repréciser, néanmoins, essayer d'être percutant et court, mais l'idée que l'accord de Paris soit une clause essentielle, c'est-à-dire sur le même plan, que les droits humains, dont le non-respect entraîne la suspension de clauses commerciales, c'est quand même une victoire politique, c'est-à-dire idéologique, extrêmement forte. Maintenant, je suis d'accord avec vous, il y a deux choses. Très clairement, ce n'est pas simplement signer l'accord de Paris ou même l'avoir ratifié qui vaut respect de l'accord de Paris et satisfaction de ce qu'on appelle la clause essentielle. Je suis très clair là-dessus. On l'a dit, on l'a écrit à la Commission européenne à plusieurs reprises. Et ensuite, donc c'est une question de respect effectivement effectif de l'accord de Paris. Il y a un débat technique sur la façon dont on apprécie le respect des obligations substantielles de l'accord de Paris, sur le champ et sur les points de rendez-vous de respect de la trajectoire. Là-dessus, on a demandé à la Commission européenne, parce qu'il y a évidemment un travail un peu technique à faire entre États membres, qu'elle nous propose son interprétation de ce qu'est le respect effectif de l'accord de Paris. En pas trop dans le détail, ça dépasse un peu ma compétence directe. On a passé un certain nombre de papiers d'option sur ce sujet, mais on attend cette proposition. Mais pour être clair, il ne suffira pas de dire j'ai signé ou même j'ai ratifié et puis après je respecte rien du tout pour que cette clause essentielle puisse être satisfaite. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est que cette clause essentielle, quand on peut débattre du périmètre technique, elle soit bien respectée au-delà de l'effet de l'annonce qu'a fait la Commission européenne. Je dis juste un dernier mot, c'est que ce n'est pas impossible, et d'ailleurs on le dit à nos partenaires européens, à la Commission européenne, parce qu'il y a, ça me paraît paradoxal, un bon accord commercial qui a été conclu il n'y a pas longtemps, pas que commercial, mais principalement commercial, c'est l'accord sur le Brexit. Dans l'accord qu'on a signé avec le Royaume-Uni, il y a le respect de l'accord de Paris. Pour être honnête, on a des inquiétudes sur beaucoup de choses avec le Royaume-Uni, mais pas sur leur non-respect de l'accord de Paris. Donc, on dirait que c'est plus facile. Mais ça veut bien dire que c'est possible, c'est écrit noir sur blanc, dans ce qu'on appelle l'accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni. Donc voilà, ces progrès-là, ils arrivent. Et sur la clause essentielle, je suis aussi clair qu'on peut, ce n'est pas simplement signer un bout de papier. Très bien, merci M. Beaune. Marine Colli, je voudrais vous passer la parole, s'il vous plaît. Je rappelle que vous êtes responsable des enjeux publics chez Interbev. Et au passage, je n'ai pas mentionné, la fonction de Samuel, qui est responsable du plaidoyer à la FNH, notamment sur la question de mondialisation, on l'a compris, mais pas que. Marine Colli, à vous la parole. Vous aviez plusieurs questions sur la déforestation, sur la cohérence des traités internationaux, sur le CETA. Pardon de chercher à regrouper un peu tout ça. Est-ce qu'on peut poser les points de manière concise pour avoir des réponses? Pas de problème, et je vais essayer de poser des questions assez précises. Effectivement, moi, il y a un premier point que je voulais aborder avec vous sur une victoire concrète de court terme que la France pourrait obtenir. Parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de ce fameux acte délégué qu'on attend sur les antibiotiques activateurs de croissance. Pour nous, ce n'est pas le seul point qui est important. Il y a un autre point qu'on a identifié qui pourrait faire l'objet d'une victoire de court terme, c'est effectivement la mesure miroir sur la traçabilité des bovins. Et on pense que cette mesure miroir, vous pouvez l'obtenir en utilisant le règlement que vous avez évoqué sur la déforestation importée. C'est un règlement qui est annoncé dans les prochaines semaines à Bruxelles. Alors, le lien entre déforestation
et traçabilité des bovins, il n'est pas forcément évident, donc peut-être juste un mot là-dessus. En fait, il y a un lien, dès lors qu'on s'intéresse aux viandes bovines brésiliennes que l'Union européenne importe, parce qu'il faut savoir qu'avant un possible ou non accord de libre-échange avec le Mercosur, l'Europe importe déjà beaucoup de viandes bovines brésiliennes. Elle en importe environ 130 000 tonnes chaque année. Et ces viandes brésiliennes, elles ne répondent pas du tout aux mêmes normes de traçabilité que les viandes bovines françaises et européennes. Bruno l'a dit, en Europe, la règle, elle est très claire. Les éleveurs ont l'obligation de tracer, d'identifier et de suivre leurs animaux tout au long de leur vie, de la naissance à l'abattage. Au Brésil, c'est différent. Au Brésil, déjà, la règle générale en matière de traçabilité, c'est pas d'obligation, sauf dans les filières de production qui sont dédiées à l'exportation de viandes bovines vers l'Union européenne. Mais dans ces filières, la seule obligation qui est posée, de suivre les animaux sur leur dernier mois de vie. Dans ces, vous savez, dans les feedlots, ces centres d'engraissement gigantesques de 30 000, 40 000 bovins, donc entre ce centre d'engraissement et l'abattoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur tout le reste de la vie de l'animal, et en fait sur la majeure partie de la vie de l'animal, on n'a absolument aucune information, aucune visibilité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'avant même un accord avec le Mercosur, qui n'arrivera pas si j'ai bien compris, l'Europe importe déjà 130 000 tonnes de viande bovine brésilienne qui peut-être, sans doute, proviennent d'animaux qui ont pu être élevés dans l'un des très nombreux élevages qui sont responsables de la déforestation de l'Amazonie. Donc ce point concret, c'est un point sur lequel on attend une avancée rapide parce que clairement, on ne va pas pouvoir applaudir une loi sur la déforestation importée européenne si dans le même temps, on continue de fermer les yeux sur ce sujet des importations de viande bovine brésilienne qui peut-être sont responsables de la déforestation de l'Amazonie, peut-être parce qu'on ne peut pas le prouver, parce qu'on n'a pas su imposer nos exigences en matière de traçabilité et de transparence. Donc ma première question, est-ce que vous êtes prêt à porter ce point concret en tant que mesure miroir à obtenir, un peu comme un but de guerre à la fin de la présidence française de l'Union européenne? Je laisse répondre. Marine, je préfère qu'on énumère vos points, comme ça on les traite. Ok. Ensuite, un petit point rapide sur les traités, les accords de libre-échange. J'ai entendu Clément Bonne nous dire que la France ne validerait plus de mauvais accords. C'est un très bon point. Première question, c'est à partir de quand l'accord est un bon accord? On va revenir sur le CETA. Est-ce que le CETA, c'est un bon accord? Je vais rappeler que le CETA, pas plus que l'accord avec le Mercosur, n'intègre de mesures miroirs dans sa conditionnalité. En viande bovine, on exige dans le texte de l'accord du CETA absolument aucune exigence supplémentaire en termes de normes de production ou de durabilité que ce qu'on impose déjà à toutes les importations, c'est-à-dire pas grand-chose. Et deuxième question, est-ce qu'on ne pourrait pas aller encore plus loin et se dire, alors là, j'ai rarement dit ça, mais se dire que finalement, l'accord bilatéral, il peut devenir une solution. Parce que quand on parle de mesures miroirs, effectivement, on nous oppose toujours le même sujet, on nous dit, ça va être compliqué, ce que vous demandez, c'est contraire aux règles du commerce international dictées par l'OMC, vous posez là des nouvelles barrières au commerce. Mais du coup, si on a ça en tête, finalement, la façon la plus facile juridiquement d'avancer sur les mesures miroirs, c'est bien de le faire via des accords bilatéraux, à condition, effectivement, que ce soit de bons accords. Ça veut dire, à condition que les deux parties se mettent d'accord sur les conditions qui vont permettre de bénéficier d'abaissement de droits de douane. Et ces conditions, pour nous, elles sont claires. Les conditions, elles doivent intégrer toutes nos mesures miroirs. En viande bovine, ça veut dire que l'Europe, demain, doit dire à son partenaire commercial, je vais ouvrir mon marché à vos viandes bovines, aux viandes bovines produites dans votre pays, à la condition que vous soyez en mesure de me démontrer très clairement qu'elles proviennent de bovins qui n'ont pas été nourris aux farines animales, qui n'ont pas été dopés aux antibiotiques, qui ont été tracés tout au long de leur vie et qui ont bénéficié de conditions minimales en termes de bien-être animal. Je crois que je vais m'arrêter là. Déjà, si j'ai des réponses à ces deux questions, ce serait très bien. Voilà. Et Monsieur Beaune, je vous ai posé un défi tout à l'heure, je le pose à nouveau. Est-ce que vous pouvez être percutant et concis, s'il vous plaît? On va essayer. Sur le premier sujet, sur le sujet de traçabilité, oui, ça fait partie des exigences qu'on porte pour le règlement qu'on attend en fin d'année sur la déforestation importée. Donc pareil, je ne dis pas que c'est encore gagné, mais il faut que c'est une des exigences qu'on porte et on espère que le projet de la Commission, il inclura ça, parce que vous avez raison, sinon on ne peut pas péter. Sur la qualité, sur les audits sanitaires et la qualité de la traçabilité actuelle, l'effectivité des contrôles actuels faits par les partenaires du Mercosur, commencé par le Brésil. On avait, avec Julien Normandie, ça avait été une partie de l'évaluation remise au Premier ministre,
on avait quantifié, enfin documenté, les lacunes majeures dans le système d'évaluation, de traçabilité et de suivi des pays du Mercosur et notamment du Brésil. C'est un point qu'on avait d'ailleurs partagé avec nos partenaires européens pour montrer, justifier le troisième pilier que j'évoquais, c'est-à-dire l'insuffisante, on va dire pudiquement, qualité des standards alimentaires et de leur suivi. Donc pour nous, ça fait partie des raisons qui justifient, au-delà des mécanismes généraux, qu'avec le Mercosur, c'est non. Donc, je ne peux pas être plus clair là-dessus. Maintenant, on espère que dans le règlement européen, on se bat pour, dans le règlement de déforestation importée, on ait ce mécanisme général de traçabilité qui soit porté. Je veux juste dire quelque chose, je fais une incise, mais pas être trop long. D'abord, sur la logique des clauses miroirs. Je mets là-dedans, en fait, l'idée d'avoir une sorte, comme on dit en bon anglais, de level playing field, d'équité dans nos exigences, qu'elles soient alimentaires, sanitaires, environnementales. C'est exactement pour moi la même logique que ce qu'on essaie d'introduire sur le sanitaire et sur les standards dans les accords commerciaux, au nom de quoi on refuse un accord commercial, que ce qu'on va faire sur la taxe carbone aux frontières. C'est l'équité, la symétrie, protéger nos standards. Moi, je ne crois pas qu'on aura un grand soir ou un grand paquet de la mesure miroir de manière transversale. Je pense qu'il faut le traiter par des sujets sectoriels, non pas pour une logique de petits pas, mais parce que sinon, on n'arrivera pas à avoir l'espèce de règlement cadre, a fortiori à l'OMC, mais même au niveau européen, qui dit la logique miroir s'est installée. On l'aura par des objets concrets, MACF sur la taxe carbone, la déforestation importée, quelques accords commerciaux. Ma deuxième incise là-dessus, c'est que, on risque d'être provocateur, mais pour le plaisir d'une discussion ultérieure, ce que Julien Normandie disait, le sujet, c'est les accords de libre-échange. L'appellation est révélatrice. C'est la logique même qu'on suit dans les accords de deuxième génération au niveau européen, c'est-à-dire avant baisser les droits de douane, maintenant on met en concurrence des normes, avec l'espoir initial que ça tirait vers le haut, et on voit bien que ce n'est pas toujours le cas. Mais quand vous l'avez... Donc il vaut mieux, évidemment, c'est la logique qu'on suit pour le Mercosur, de ne pas avoir d'accord, c'est d'avoir un mauvais accord. Et moi, je suis plus ambitieux encore, ça mettra 15 ans, si on est honnête. Ce qu'on est en train d'essayer d'inventer avec les clauses miroirs, c'est de dire, puisque de toute façon, il y a du commerce, vous le disiez, même quand il n'y a pas d'accord de libre-échange, il y a des importations qui nous posent problème, toutes les raisons qu'on a indiquées venant des pays du Mercosur. Comment on répond à ça? Est-ce que votre droit de douane de 10 ou 15% ne répond pas au problème? Il y a une sorte de barrière que vous détruisez si vous avez un mauvais accord de libre-échange ou un accord trop libre-échangiste. Mais le sujet, c'est qu'il faut qu'on ait des accords commerciaux, je ne sais pas comment il faut les appeler, de troisième génération, dans lesquels on se sert de notre pouvoir. On est le premier marché ouvert au monde. Je dis ouvert parce que j'exclus la Chine. On est le plus important que les États-Unis. On doit pouvoir utiliser à l'avenir, pas encore cet outil, les accords commerciaux pour imposer nos standards. Même par rapport à une situation où il n'y a pas d'accord commercial et on commerce avec les règles standards de l'OMC. Donc, je fais cette insiste parce que ce qu'on dit avec les clauses miroirs, c'est qu'on essaye d'inventer, je suis un peu ambitieux, mais un modèle dans lequel il y aura un jour des accords commerciaux qui seront bons. Et en attendant, on est dans cette espèce d'entre-deux, on essaye parfois d'améliorer un accord commercial, parfois de le tuer, parce qu'il n'est pas au bon niveau. On va essayer d'être clair là-dessus. OK. Merci beaucoup, Monsieur Beaune. Marine, est-ce que vous avez un dernier mot à ce sujet pour qu'on puisse clore la discussion à ce stade? Et puis, je passerai la parole également en conclusion à Samuel Leray. Moi, j'ai juste besoin d'une réponse extrêmement simple. Est-ce que le choix clair et très clair politique de la France, c'est de dire qu'on ne validera plus aucun accord tant que le travail sur les mesures miroirs n'aura pas été fait? Est-ce qu'on a vraiment un oui ferme et définitif, plus aucun accord tant que toutes les mesures miroirs n'auront pas été adoptées? Si on y va pas à pas, ça va prendre un peu plus de temps, mais est-ce qu'on peut juste avoir cette réponse précise? OK, question claire, réponse claire. On est complètement sur le bilatéral aussi, mais là-dessus, pour être clair, nous, on ne veut pas rentrer dans les nouvelles négociations, les nouveaux accords qui ne sont pas à ces exigences-là. Je vais être très honnête, il y en a qui sont plus ou moins dans les tuyaux. Et là, on mène un combat parce qu'on a même un risque d'être en minorité. On a fait en sorte d'éviter, je ne rentre pas trop dans le détail, mais vous le savez, la scission des accords pour garder une forme, disons-le franchement, de droit de veto. On le fait sur le Mexique, on le fait sur le Mercosur. On a eu des accords sur lesquels la négociation était déjà engagée, on a essayé de les améliorer. On l'a pris à la fin. Nicolas Hulot y a contribué d'ailleurs sur le CETA. Et il y a des accords qui sont déjà lancés, type Australie ou Nouvelle-Zélande, sur lesquels on a une très grande vigilance, mais pour être très honnête, ça ne peut pas être oui ou non, parce que c'est là aussi un combat politique à mener avec nos propres partenaires et avec la Commission qui négocie. On s'est opposé, dans le cas concret qu'on a eu, on s'est opposé
à l'ouverture de négociations de nouveaux accords. Là, on avait la question binaire. Est-ce que vous êtes pour ou contre ouvrir une négociation nouvelle avec les États-Unis sous Donald Trump? C'était une folie d'ouvrir une négociation, même limitée, mais d'un accord commercial avec les États-Unis. On a perdu parce que c'était un vote à la majorité et la négociation s'est engagée. Bon, je vous rassure, on s'est débrouillé pour qu'elle soit très fortement enlisée. Si un nouvel accord se présente, sauf s'il est merveilleusement nouveau et merveilleusement protecteur sur le plan sanitaire, alimentaire, climatique, on aura la même position qui est de dire on ne se lance pas tant qu'on n'a pas révisé notre politique commerciale. Et franchement, je crois que c'est en train de réussir, trop lentement, mais c'est en train de réussir. Progressivement, on est en effet hostile à se lancer dans une négociation commerciale entièrement nouvelle qu'on ouvrirait avec tel ou tel bloc. Et sur la logique électorale, parce que je n'ai pas répondu complètement à votre question, on est d'accord pour dire qu'on n'a pas besoin des accords bilatéraux, c'est plus restreint en périmètre, mais je pense qu'on peut obtenir des choses. La question, je le dis encore, et je dirai un dernier mot là-dessus, parce que c'est un point politique clé, c'est le combat politique interne à l'Europe. Alors, la question taboue, c'est, vous me direz, pourquoi on fait tout ça sans nier, pour rester poli, à convaincre nos partenaires européens, alors qu'on est d'accord pour porter une ambition plus forte et que c'est finalement parfois nos propres partenaires qui nous ralentissent. Je dis simplement, réfléchissons. Je ne vais pas vous faire la réponse juridique qui est, c'est dans les traités, mais c'est vrai. Mais on pourrait, faisons abstraction de ces contraintes, elle est même difficile. Je ne conseillerais pas, pour l'ambition qu'on est en train de décrire sur le plan sanitaire, environnemental, etc., qu'on ait une politique commerciale entièrement nationale. Le jour où on négociera avec le Mexique, avec a fortiori la Chine, avec d'autres pays pour soit ouvrir de nouveaux accords, soit avoir ces accords de nouvelle génération qu'on écrivait, on sera honnêtement beaucoup moins fort. Donc je pense que c'est frustrant, c'est compliqué, mais le bon combat, c'est malgré tout de changer le logiciel européen avec ses règlements qui arrivent progressivement et ses changements, clauses essentielles, déforestation importée, mécanisme carbone aux frontières, etc., clauses miroirs. Parce que si on y arrive, là, on aura un levier de transformation de la politique commerciale mondiale qui sera absolument majeur. Et donc, je crois qu'on dit à peu près la même chose au fond, mais je réponds à la question taboue que vous ne m'avez pas directement posée, mais que je voyais aussi un peu dans les interventions, c'est pourquoi on s'ennuie à essayer de convaincre l'Europe. Parce que je pense que le jour où on a réussi à convaincre l'Europe, là, on a un vrai modèle commercial transformé. Bon, Monsieur Beaune, merci pour ces explications qui sont assez claires, même très claires. Merci aussi, Monsieur de Normandie. Merci à vous deux pour le temps que vous nous avez consacré. Je pense qu'on a pu constater ce qui relevait du consensus et puis là où étaient encore parfois les problématiques, on l'a vu sur les questions de HVE, d'agriculture bio. Ça fera peut-être l'objet d'une autre discussion plus tard qu'on pourra creuser. Avant que vous nous quittiez, messieurs les ministres, je repasse la parole à Samuel Leray pour le mot de conclusion de la Fondation sur cette partie de la table ronde. Samuel. Bien, merci beaucoup, messieurs les ministres, d'avoir participé à ce premier talk de la Fondation. C'était vraiment important pour nous de vous avoir tous les deux pour rassurer monsieur Beaune. Évidemment, la Fondation, mais je pense comme toutes les organisations qui ont participé, sont vraiment à 100% engagées dans et croient en l'Europe. On ne verrait pas une politique commerciale sans Europe. C'est vraiment essentiel pour nous. Donc, on vous rassure sur ce sujet-là. C'est un message qu'on passe également très régulièrement. On en a besoin, mais on a besoin d'une parole forte. Et donc, du coup, moi, je retiens que sous présidence française, on va vous voir batailler. Nous, en tout cas, on sera là. Puis on sera là pour rappeler si jamais sur les différents points que vous nous avez abordés, vous n'arrivez pas à tenir parole, vous n'y arrivez pas, notamment sur le Mercosur, notamment sur la stratégie déforestation importée. C'est des points qui seront importants. On n'a pas pu faire tous les points, notamment sur la partie pesticides. On aurait voulu vous aborder, puisqu'il y a une question qui va revenir, c'est la question du glyphosate. Et donc, interdire le glyphosate en 2022, qui, je crois, est encore la position française, puisque ça l'était au moins du temps de Nicolas Hulot en 2017. L'idée, c'est comment est-ce qu'on interdit le glyphosate sans interdire les produits importés. Donc, on aurait aimé avoir cette discussion. C'était le dernier point qu'on n'aura pas eu le temps de faire. Mais j'espère qu'on aura le temps d'en discuter, en tout cas en bilatéral. Et nous, côté Fondation, on continuera à parler à tous les gens qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur tous ces points-là, les informer, parce que c'est un combat qu'on pense essentiel. On ne fera pas la transition agroécologique sans mettre des mesures miroirs. Et donc, c'est un peu le point qu'on voulait rappeler à la fin. Et on continuera à travailler avec vous, à dire quand on n'est pas d'accord et à dire quand on est d'accord dans les prochaines semaines. Voilà, HVE et glyphosate, ça fait de quoi occuper une bonne soirée. Donc, je propose qu'on fasse un deuxième round dans quelques temps. Merci, Samuel. Messieurs les ministres, je note que vous prenez. En tout cas, les pouces levés, je les interprète comme ça, j'espère que j'ai raison. Merci à tous. On va passer à la dernière séquence avec Chantal Joanneau et Guillaume Gauthier.
Merci d'avoir été patient. Je sais que les agendas et le temps est compté pour tout le monde. Donc, merci à vous deux pour cette patience. Chantal Vureno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Commission nationale du débat public. Guillaume Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éleveur de charolais. Dans quelle région, monsieur Gauthier ? En Bourgogne, département Saône-et-Loire. Très bien. Alors, madame Joanneau, est-ce que vous pouvez nous redire ce qu'est la CNDP, la Commission nationale du débat public ? Et comment se fait-il qu'en pleine crise de Covid, cette commission ait eu à traiter de la PAC, de la politique agricole commune ? Et puis, évidemment, vous nous direz les conclusions qui sont sorties de ce débat public. Oui, alors la CNDP, la Commission nationale, c'est une autorité administrative indépendante qui a été créée il y a à peu près 25 ans pour garantir le droit de toute personne à être informée et à pouvoir participer à l'élaboration des décisions qui ont un impact sur l'environnement. Donc au départ, c'était essentiellement sur tous les grands projets qui avaient un impact sur l'environnement, par exemple les projets d'autoroute ou même de centrales nucléaires, et on organisait des débats publics. Et maintenant, c'est sur le champ d'intervention est beaucoup plus large, on touche des plus petits projets, et ça a notamment été décidé après la mort de Rémi Fraisse sur le barrage de Sivens, et on touche aussi les plans nationaux, donc le plan stratégique national d'application de la PAC, pour lequel on a organisé un débat public l'année dernière, en pleine période Covid, mais on ne le savait pas, parce que quand on a commencé le débat public, on n'avait pas encore la crise sanitaire en France. Oui, pour l'anecdote, c'est un débat que vous avez dû suspendre et qui s'est donc déroulé en deux parties jusqu'à la crise, et puis quand on a eu cette embellie à l'automne dernier. Donc ce débat est clos. En quoi consiste un débat ? Ça veut dire que les citoyens ont la parole. Moi, j'ai quelques stats que j'ai tirées de la synthèse du rapport. Vous allez me corriger si je suis inexact. 12 660 contributions, 1083 propositions. Quelques enseignements que vous tirez ? Oui, et 1,8 million de personnes touchées. Alors nous, on veille, quand on fait un débat public, à ce que les personnes aient une information qui soit accessible. Là, on l'a vu dans le débat, l'agriculture, c'est un débat d'une technicité énorme qui fait que le débat n'est pas toujours compréhensible pour un public non averti. Donc, on va veiller à l'accessibilité de l'information et on va veiller à créer plusieurs outils de participation. Ça va être du débat numérique, ça va être du débat sur le terrain, ça va être des ateliers, des conférences citoyennes, enfin, plusieurs outils qui vont permettre justement à toutes les personnes, et notamment celles que l'on n'entend pas, c'est-à-dire au-delà des parties prenantes, qui vont leur permettre de s'exprimer sur un projet, en particulier sur le plan stratégique national, et d'exprimer leurs arguments. Alors, si je dois en résumer les conclusions, puisque c'était quand même un peu ça l'objectif de l'intervention, je vais essayer de le faire en toute neutralité, parce que mon grand défaut, c'est qu'évidemment, j'ai beaucoup baigné dans ces sujets-là, et qu'il ne faut pas que je lise le débat à l'aune de ce que moi, je pense. Donc, je vais essayer de le faire en toute... On parle à une ancienne ministre de... C'était quoi ? L'écologie, le développement durable ? C'était l'écologie avec Jean-Louis Borloo. Okay. Donc, effectivement, des sujets qui m'ont toujours quand même vraiment, vraiment passionnée. Qu'est-ce qu'on en a ressorti ? Le premier sujet que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on a fait un questionnaire au début du débat public, un questionnaire dit à jugement majoritaire. C'est-à-dire qu'on demande aux personnes de classer des objectifs entre pas prioritaire du tout et très prioritaire. Et quand on leur a demandé de faire cet exercice, il y a eu plus de 7 400 répondants. Les sujets environnementaux sont sortis les premiers, mais alors très très haut, à plus de 80% comme sujet très prioritaire. Donc c'était la protection des ressources naturelles, la lutte contre le changement climatique, et puis bien évidemment la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Donc le premier constat, c'est que quand on parle d'agriculture pour le grand public, on parle environnement prioritairement et c'est l'enjeu principal. C'est-à-dire que la question sociale liée à l'agriculture, par exemple, le comment vivent les agriculteurs, elle est sortie aussi, mais vous allez voir, ça va être mon deuxième constat. Okay, vous anticipez la suite. On a fait un exercice dans le cadre de ce débat public qui était de rassembler une conférence citoyenne avec 125 citoyens tirés au sort pour leur demander d'élaborer ce que serait un pacte social, un pacte entre la société et les agriculteurs. Et ça, c'était vraiment super intéressant, puisqu'ils se sont mis d'accord autour de 6 priorités, donc 6 objectifs, assurer la transition écologique, la juste rémunération
des agriculteurs, assurer une alimentation saine. C'est un peu plus long, hein, mais je résume. Ensuite, le quatrième objectif, c'était garantir une production efficace économiquement qui assure un revenu digne et valorisé par la société. Ensuite, garantir une souveraineté européenne. Et là, on a la question de l'harmonisation que vous avez longuement évoquée dans le débat. Et enfin, garantir la prise des décisions au niveau local et territorial. Et ils ont élaboré ces six objectifs et on leur a demandé, est-ce que vous souhaitez les hiérarchiser ? Ils ont refusé de les hiérarchiser. Et donc, ils ont pleinement repris ce que disait Nicolas tout à l'heure, on n'est pas dans le « où », on est dans le « et ». C'est-à-dire que c'est et la question du revenu et la question de la transition écologique, sans vouloir arbitrer entre ces différents éléments. Donc, il y a une vraie demande de réconciliation. Et il faut savoir que la question de la souveraineté, elle est revenue très fort dans le débat après la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on a commencé le débat avant la crise sanitaire, on l'a dû l'interrompre et on l'a poursuivi après, au moment où on a pu, donc au moment où on a été en partie déconfiné. Et c'est là où la question de la souveraineté est sortie très, très fort. Et avec un lien également avec l'ancrage territorial, oui, le local. Très fort. Le local, oui, très fort. Vraiment, pareil, deuxième partie du débat, le local est revenu assez fort. Mais le local et le territorial, c'est un sujet qu'on retrouve, nous, dans tous les débats publics en ce moment. C'est-à-dire que quand on parle énergie, on nous demande du local et du territorial. Donc, c'est un sujet qui monte aussi très fort dans l'ensemble des débats. Et le troisième constat, alors, il est moins heureux que les précédents, malheureusement, c'est que, par contre, les sujets des plus grandes controverses, c'est vraiment les sujets qui sont liés au phytosanitaire, au bien-être animal, à l'eau. Donc, des sujets qui sont aussi liés à l'environnement. Ce n'est pas qu'il y a une opposition entre la position des agriculteurs et la position de la société, entre des agriculteurs qui ne voudraient pas poursuivre ces objectifs et une société qui leur demanderait de les poursuivre. C'est surtout sur le rythme et les moyens d'atteindre ces objectifs. Et ça rejoint complètement l'ensemble du débat sur le fait que s'il y a une concurrence déloyale, c'est nous, agriculteurs, qui allons en subir les conséquences sur nos propres revenus. Donc, il faut faire en sorte qu'on ait les moyens d'atteindre ces objectifs. Donc, je trouve que c'était vraiment intéressant comme débat parce qu'alors, il y a eu une vraie crainte du monde agricole par rapport à ce débat, une crainte de l'agribashing qui n'a pas du tout eu lieu. C'est-à-dire que, certes, il peut y en avoir, mais ça a été tellement minoritaire, ça n'a pas du tout été le terrain de l'agribashing. Ça a été au contraire le terrain d'un débat qui a donné un message de réconciliation entre les uns et les autres. Et donc, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et d'ailleurs, puisque Julien de Normandie est encore là, honnêtement, je n'étais pas partie la fleur au fusil sur ce débat. Enfin, je ne pars jamais la fleur au fusil parce que je n'ai pas de fusil, mais j'avais une certaine crainte par rapport à ce débat et par rapport au ministère de l'Agriculture, en me disant qu'ils ont tellement l'habitude d'être avec les parties prenantes qu'un débat avec le grand public, ça ne va pas être simple. Et je n'ai pas l'habitude de faire des compliments au gouvernement, mais vraiment, le ministère a vraiment bien joué le jeu du débat, a répondu à l'ensemble des propositions, en assumant ses positions, mais il a répondu à l'ensemble des propositions. OK. Alors, Guillaume Gauthier, comment vous réagissez à la fois à ce que vient de dire Chantal Joanneau et puis à ce que vous avez entendu de la discussion ce soir, vous qui êtes dans ce métier d'agriculteur que tout le monde dit soutenir, vouloir soutenir, aimer et vouloir du « et ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ce « et » ? Alors, déjà, merci pour les interventions qu'il y a eu jusqu'à maintenant, parce que malgré tout, c'est très intéressant. Alors, des merci, on en a beaucoup entendu et on l'a souvent dit ces derniers mois avec la crise qu'on a connue. Effectivement, on a continué de bosser et c'était bien normal. Je partage un petit peu le point de vue sur l'agribashing et le fait que ça a plutôt réconcilié le monde agricole avec les citoyens. On le voit, moi qui fais de la vente directe, je le vois. J'ai beaucoup de félicitations, d'encouragements, etc. Après, sur la première partie du débat, et c'est clause miroir, alors ce qu'on importe et qu'on n'a pas le droit de produire. Je suis assez surpris en fait qu'on ait le droit tout simplement de faire consommer à nos consommateurs en fait des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Moi je suis assez fier de mon métier, assez fier d'être en Saône-et-Loire, donc un paysage très herbagé avec des belles charolaises. Alors Bruno est pas en charolaise, alors il pourra expliquer, mais enfin voilà, on a un modèle à l'herbe et finalement, je me dis qu'on met en concurrence avec des gens qui ne sont pas du tout dans le même modèle et bien en concurrence avec des prix d'ailleurs plus faibles que les nôtres. Donc, je suis assez surpris que l'Europe ne soit pas plus protectionniste malgré tout
par rapport à ça. Et la France, donc j'en attends beaucoup des deux ministres qui ont parlé, notamment sur la présidence française à l'Europe. On a un métier qui est difficile, on s'est engagé, hein, donc c'est aussi un choix. Mais aujourd'hui, ils ne rémunèrent pas. Alors, nous mettre en concurrence avec des gens qui ne travaillent pas comme nous, c'est encore plus dur, quoi. Donc oui, les merci, on les prend directement, on en a besoin. Mais on aimerait un petit peu plus de considération aussi. Et ça passera aussi par le fait de ne pas importer n'importe quoi. Hein. Je suis fier de produire mes animaux à l'herbe. J'ai une exploitation où je produis aussi mes céréales pour nourrir mon troupeau, où je ne mets pas d'OGM depuis des dizaines d'années. Ce qui paraît pour nous très bien, et c'est des normes qui finalement, mais en tant que consommateur, on les comprendrait. Et du coup, moi, je suis éleveur et je suis aussi consommateur. Donc, je tiens à ce que mes produits soient bons et soient sains. Donc voilà, quand je vois tout ce paysage, la biodiversité, les haies, les arbres, les prairies, je me dis, c'est soit on veut la mort de cette agriculture durable, comme on l'a déjà dit en France, on est très vertueux, etc. Mais si on met en opposition avec des feedlots américains, des concentrations d'animaux, comme a dit Madame Colli, moi, je suis pas du tout prêt à ça, quoi. Clairement, s'il faut aller sur des modèles comme ça, je ferai autre chose. Pour faire ce « et » dont on parle, de quoi estimez-vous avoir besoin aujourd'hui ? Outre le fait qu'on a bien entendu, les clauses miroirs tentent à écarter cette concurrence déloyale ou à la régulariser, la réguler. Mais vous, intrinsèquement, de quoi vous avez besoin aujourd'hui ? Alors, au-delà de la considération, ce qu'on a besoin, c'est de revenus. Alors, il y a eu les états généraux de l'alimentation et voilà, c'était un pas, c'était très optimiste. Je suis un peu moins, mais je vais regarder ce qui va se passer dans les prochains mois. Bon, aujourd'hui, on a une filière qui est très difficile à manœuvrer et en tant qu'éleveur, finalement, on est des petits et je voudrais déjà que le ministre s'attaque à la rémunération des exploitants en continuant ce qu'on fait sur le travail, la biodiversité, enfin tout ce qu'on a dit précédemment dans ce débat. Pour nous, c'est essentiel, mais on est prêt à être encore meilleur, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on arrive à en vivre. Et M. Hulot, au tout début, a eu un constat, une présentation en disant qu'il y avait une grosse génération qui partait en retraite. Il y a un grand nombre d'agriculteurs et d'éleveurs notamment qui vont partir dans les 5 prochaines années en retraite. Aujourd'hui, je ne suis pas persuadé, M. le ministre doit le savoir mieux que moi, mais pas persuadé qu'il y ait beaucoup de jeunes qui soient en face. Et malgré tout, sans revenu, on n'attirera personne, quoi. Alors, il y a des campagnes de pub qui sortent, hein, je l'ai déjà vu sur Twitter, très bien, mais s'il n'y a pas de revenu, voilà, les jeunes n'y viendront pas. Et du coup, c'est un métier qui peut disparaître. Alors, si en plus, on nous met sur le dos le fait que on produit de la viande à pas cher, avec des hormones, avec des OGM, à un moment donné, on n'y arrivera pas, quoi, clairement. Chantal Joanneau. Oui. Bah, il y a toujours la question de la contrainte. Il y a la question du vrai prix de l'alimentation. Et autour de la table, il y a toujours un grand absent. C'est celui qui fait des messages publicitaires pour dire que la bonne nourriture n'est pas chère. Et que c'est bien d'avoir une nourriture pas chère. C'est pas dans les comptes rendus du débat public, hein. Mais c'est quand même ce que je pense fondamentalement, c'est qu'il y a un vrai sujet autour de ces messages qui sont délétères. Il faut le juste prix, c'est celui qui rémunère et l'agriculteur et la protection de l'environnement. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est aussi une question culturelle. Et que... C'est une question culturelle, c'est une question de laisser promouvoir des publicités où on vous explique que moins c'est cher, mieux c'est. Ce qui est entièrement faux. On peut pas, c'est une contradiction absolue. Et puis, effectivement, il y a une incompréhension, je pense, du public, ce que vous disiez à l'instant. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'en France, on veut essayer de promouvoir une agriculture juste et durable, qu'on fait des efforts pour, et qu'en parallèle, on va importer des produits qu'on interdit en France. Sur les questions de souveraineté et d'ancrage local, est-ce que vous avez des précisions, Madame Joanneau, et puis ce sera ma dernière question, et on écoutera Guillaume Gauthier à ce sujet, des précisions sur ce que les Français entendaient par ça, ou éventuellement ce qu'ils proposaient à ce sujet. Le local, c'est deux choses. C'est la décision locale, c'est-à-dire le choix d'avoir une politique qui soit la déclinée au plus proche du terrain. Et c'est aussi effectivement le circuit court qui revient de manière assez fréquente et assez récurrente. Et la souveraineté, c'est ce dont on parle depuis le début. C'est d'une part garantir l'autonomie alimentaire. Alors ça, c'est revenu très fort juste après
juste après la crise sanitaire. Et puis, c'est aussi effectivement se défendre et faire en sorte que les normes que l'on applique en France et en Europe soient respectées et soient pleinement appliquées. Puisque finalement, quand on importe des produits qui ne respectent pas les normes, on n'applique pas ces normes. D'accord. Guillaume Gauthier, on a beaucoup parlé d'agriculture ce soir. Vous, dont c'est le métier, eh bien, je vous laisse le dernier mot. Qu'est-ce que vous retenez de ce débat, peut-être dans vos aspirations sur la question du comment on fait tout ça dans les mois, dans les années qui viennent. Que voyez-vous, vous, depuis votre champ, je vais dire depuis votre fenêtre, mais plutôt votre champ? Ouais, déjà, ce que je veux, c'est qu'on soit sûr de faire manger à nos consommateurs des choses qui soient saines, et si c'est sain, c'est français, ou au moins dans nos normes, voilà, clairement. Qu'on ait de la considération pour les éleveurs, alors là, oui, il y a beaucoup de merci, mais ça passerait effectivement par un gros travail sur les revenus. Et vous parlez de local, je fais de la vente directe, on fait de la vente directe avec mes associés, mais finalement, je ne suis pas beaucoup plus cher que mes voisins, qui sont beaucoup plus grands, eux, qui ont plein de rayons dans les magasins. Mais malgré tout, il y a une plus-value qui est différente. Alors, entre moi qui fais de la vente directe et puis moi éleveur, il y a beaucoup moins d'intermédiaires. C'est peut-être aussi là que se cache un petit peu du problème. Et puis enfin, si on veut continuer à être l'agriculture la plus durable au monde, il faut qu'on soit tous unis. Alors, on travaille, j'ai vu que vous travaillez beaucoup, FNH et puis notamment Interbev et la FNB, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, il faut continuer. Et il faut derrière nous que le gouvernement, que l'État soit derrière ces paysans, parce que pour moi, en tant que jeune éleveur, je suis rentré dans ce métier parce que j'ai une grande fierté. C'est un métier qui vient de mes parents et de mes grands-parents. Et pour moi, c'est un des socles de la France. Sans agriculture, il n'y a pas de France. C'est ce qui a fait l'histoire de la France. Si on veut qu'elles s'écrivent ensemble demain, il faut protéger l'élevage français, voilà, et l'élevage herbage. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Chantal Joanneau, merci Guillaume Gauthier pour votre patience et votre participation. Les échanges ont été denses, il y avait beaucoup de sujets à traiter ce soir. Donc je vous renvoie toutes et tous vers le site de la Fondation, fondationnicolashulot.org, où vous retrouverez l'ensemble des documents et des rapports auxquels il a été fait référence si vous avez envie de mieux comprendre ou de creuser ces sujets. Je remercie M. De Normandie et M. Beaune qui ont accepté de participer aussi à ce débat ce soir. Merci messieurs les ministres. Merci à toute l'équipe de la FNH, Amandine Le Breton, Samuel Leré notamment. Merci aussi aux participants d'Interbev et de l'Institut Veblen qui ont contribué à tout cela. Ce talk, vous pourrez le retrouver également en replay. Bonne soirée et à très bientôt.